Bonsoir. Bonsoir à la France, bonsoir YouTube. Bonsoir Camara. C'est la tronche en biais. Bonsoir Red Tabas. Bonsoir à Cervantes. Je vais lire l'édito. C'est la guerre. Ouais. Nous enregistrons cette émission aujourd'hui le 13 juillet 2022, dans le contexte du conflit ukrainien. Nous sommes loin de la ligne de front et pourtant nous assistons à un conflit jusque chez nous, où ce qui se joue, c'est l'opinion publique. Et éventuellement la confusion et le chaos du clash entre les points de vue sur le sujet. Alors, quels sont les faits? En février 2022, la Russie a déclenché une opération militaire spéciale dans le but de libérer la population civile des exactions d'un régime nazi qui sévit en Ukraine depuis des années et opprime la minorité russophone. Cette situation inacceptable a été encouragée par l'OTAN, qui souhaite étendre son influence jusqu'aux frontières russes en dépit des accords passés, raison pour laquelle l'Occident est le vrai responsable de la crise en cours. D'ailleurs, la population locale accueille les libérateurs russes en héros et souhaite acquérir la nationalité russe. C'est bien la preuve. Vous avez le droit de croire tout ceci ou de préférer une version alternative, celle d'une invasion brutale frappant des objectifs civils comme militaires, de la part d'un régime autoritaire où la contradiction est punie de prison, où le mot « guerre » est interdit, où une milice privée est engagé par le pouvoir et perpétue des crimes de guerre qui n'ont aucune importance, puisque seule compte la version officielle fondée sur une réécriture de l'histoire où l'Ukraine n'est pas un vrai pays, mais une invention des ennemis de l'Union soviétique, une fiction occidentale destinée à voler à la Russie son territoire. Et en fait, c'est assez différent. L'une de ces deux versions est forcément fausse, et la vérité vraie, authentique, est peut-être ailleurs, sous une forme plus nuancée, plus complexe et plus difficile d'accès. Sur nos réseaux, et jusque dans le chat et dans les commentaires sous cette vidéo et plus tard, on vous voit, hein, se joue une autre forme d'antagonisme. Les internautes s'écharpent et s'insultent en se dressant sur l'incertitude, parmi lesquelles la principale est que le camp d'en face est un ramassis d'imbéciles imbibronnés de fausses informations. Le désinformé, c'est l'autre. L'humain le plus intelligent ne peut atteindre que les conclusions éclairées par les informations dont il dispose. Si vous êtes mal informé, vous aurez beau raisonner le mieux du monde, vous n'arriverez pas à poser un verdict correct. Si vous êtes sage, vous suspendrez votre jugement. C'est l'attitude sceptique que nous favorisons ici. Mais parfois, il faut juger. Il faut s'engager, il faut agir. Et quand c'est la guerre, notre incapacité à juger peut devenir une arme dans les mains de ceux qui sèment la confusion. Or, nous n'avons pas envie d'être les complices des menteurs, des manipulateurs et des agresseurs. La célèbre phrase de Rudyard Kipling dit que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Il y a des morts dans ce conflit, des vies détruites parce que des forces armées ont été mises en branle suite à des discours qui méprisent la vérité. Il a fallu d'abord le régler son compte avant de sortir les armes. Les guerres modernes s'emmitoufent de propagande, se saoulent de fake news et se répandent sous la forme de récits qui titillent nos émotions, exploitent nos penchants, flattent nos préjugés. Nous sommes sous influence. C'est comme ça, mais nous voulons résister. Et pour ce faire, il sera utile de comprendre ce que sont les guerres hybrides, les guerres cognitives, quelles stratégies d'influence sont à l'œuvre et comment les démocraties sont censées se distinguer des régimes autoritaires en respectant des règles qui leur défendent d'employer les techniques de guerre de l'information sur leur propre peuple. Notre invité, Christine Dugoin-Clément, est chercheuse associée à la chaire RISC du laboratoire de recherche IAE pour Institut d'administration des entreprises de Paris-Sorbonne, Business School. Et elle a écrit différents ouvrages, notamment Influence et manipulation, des conflits armés modernes aux guerres économiques, et puis plus récemment L'Ukraine entre déchirement et recomposition. Bonsoir Christine. Je vous entends. Je ne vous vois pas sur mon retour, mais je vous entends. Mais Corentin va régler ça pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Est-ce que l'éditorial contenait des bêtises? Alors, j'ai perdu le son.
J'ai perdu le son de l'invité. Je ne la vois pas. Je suis dans le noir total, mesdames et messieurs. C'est la guerre. C'est revenu. Le son est revenu. Ça a l'air mieux, en effet. Oui. Compliqué à prendre dans sa globalité. Et moi, je rebondirais sur un premier point qui est la position sceptique, donc de suspendre son jugement, normalement. Sauf que, bah, vous l'avez très bien dit, là, on est dans un conflit de guerre où, finalement, le temps de la suspension de la décision peut avoir des conséquences qui vont être, alors, humaines, bien évidemment, mais d'un point de vue stratégique et tactique, qui vont pouvoir permettre, finalement, à un camp ou à un autre, de pouvoir prendre l'avantage. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment important dans tout conflit, en fait, c'est-à-dire de réussir à ralentir, voire bloquer, qu'on va appeler la prise de décision. Mmh. Et peut-être que pour commencer, encore une fois, hein, le sujet est très très vaste, donc réaxez-moi sur ce qui vous intéresse plus. Oui, j'aurais plein de questions. Je pense qu'il y en aura, beaucoup, et autant le dire tout de suite, je n'aurai absolument pas les réponses à toutes. Bah, c'est très très bien, on s'en doutait, et on voilà, adore quand les gens nous rappellent ça. De manière immédiate, il y a beaucoup de questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse, et il y en a beaucoup que je me pose encore, et que je risque de me poser encore très longtemps. Mais si on reprend simplement l'idée de la guerre et l'information, et la guerre de l'information. Mmh. Qu'est-ce qu'on entend en règle générale par là? Bah, ça va être un effort qu'on va articuler pour remporter une victoire, hein, en neutralisant, alors la terminologie c'est ça, en neutralisant ou subvertissant ce qu'on appelle le système de command and control, donc le C2C, donc de votre adversaire, donc sa capacité à commander, à contrôler et donc à agir, tout en protégeant évidemment vos propres capacités à décider. C'est-à-dire que vous allez gagner un avantage stratégique, vous pouvez décider, vous figez l'autre. Et tout cela, eh bien, permet de coordonner les actions. Et puis, derrière, ça veut dire aussi influencer les opinions publiques pour contraindre la décision adverse. C'est-à-dire que c'est déjà figé au niveau militaire et accentué dans le sens qui va intéresser celui qui va manipuler de l'information, l'opinion publique, bah, tout simplement pour qu'elle pèse sur son gouvernement et donc la prise de décision. Donc ça, c'est un petit peu, j'allais vous dire, la version simple. Et souvent, quand on va parler de guerre de l'information, on parlera de ce qu'on appelle les boucles ODA, donc qui veut dire observer, orienter, décider et agir. Et quand on est sur ce principe-là, bah, observez ce qui se passe. Si vous n'observez pas, bah, comment aller influencer? Donc, il faut observer, savoir à peu près ce qu'on va faire, orienter, pousser à décider et agir. Et pour revenir un petit peu encore, alors on va avoir un petit passage historique, mais je pense que c'est important parce que je rebondis encore sur ce que vous disiez en disant, voilà, cette guerre, on la vit en direct. Et c'est vrai, on la vit en direct. Et il y a un pivot là-dessus au niveau de ce qu'on a appelé la guerre de l'information. Bah, c'est la guerre du Golfe avec les opérations Desert Shield et Desert Storm, donc en 90-91. Ce qui est hier, mais au niveau de l'information, et bah, notamment pour mes enfants, c'est de la préhistoire. Oui. Et ben, je suis pas loin de Tyrannosaurus Rex pour eux. Hein, voilà. Oh, c'est honorable, c'est un peu cool. Oui, oui, non, mais enfin c'est cool, sauf si vous voulez faire des pompes au niveau Tyrannosaurus Rex, ça marche beaucoup. On n'a pas de preuve qu'il pouvait pas le faire. C'est ça, mais moi ça m'arrange de dire que c'est à cause de ça que je sais pas faire de pompes. Donc si vous vouliez bien éviter de me balancer, on va pas débunker ça. On fera un sujet dinosaure un autre soir. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, on a eu l'arrivée des systèmes d'information au sens très large sur le champ de bataille. Et ce que ça voulait dire, c'est que ça changeait la façon dont on allait pouvoir gérer stratégiquement, mais les systèmes d'information, de communication, changeaient aussi la diffusion qu'on avait de la guerre. C'est les premières fois où on a des images de guerre à la télé. Donc, à l'époque, c'est à la télé, c'est pendant le journal télévisé. Oui. Mais néanmoins, on a cette diffusion. Exactement. Ouais. Cette diffusion quasi en direct. Et à cette période-là, on va parler de la RMA, la révolution dans les affaires militaires, donc Revolution in Military Affairs. Et on commence à se dire que là, oui, on va passer en anglais du battlefield au battle space. Et derrière, eh bien, au-delà du côté stratégique et tactique, arrive tout le volet informationnel. D'accord. Et là où on voit que c'est quand même quelque chose de compliqué, c'est que simplement définir ce que c'était que des opérations
informationnelles, hein, des opérations d'information, eh ben, ça a mis beaucoup de temps à être mis en place. Et il y a plusieurs définitions. Les premières, elles arrivent en 96, donc pas un hasard, hein, on est à peu près sur quelque chose de logique, où on va vous parler d'actions prises pour atteindre la supériorité de l'information, eh ben, en affectant les informations de l'adversaire. Jusque-là, ça revient à peu près à ce qu'on expliquait. Les processus basés sur l'information, là, on rentre aussi dans quelque chose qui va être beaucoup plus cinétique, militaire, hein, les moyens opératifs. Et les systèmes d'information et les réseaux informatiques, tout en défendant ses propres informations, processus basés sur l'information, systèmes d'information et réseaux informatiques. On est extrêmement vaste. Et puis, on continue à essayer d'avancer. On voit bien qu'on a trois composantes opérationnelles connexes. Donc la guerre du commandement et du contrôle, hein, donc du C2C, les affaires civiles et puis les affaires publiques. En 2008, et ça c'est le DOD donc américain, le Department of Defense, donne une autre définition. On a perdu le son. Ah. Si c'est Corentin qui touche au chaud, si c'est chez vous. Ou si c'est les Russes, hein, je pense qu'il y a un risque réel d'être piraté par les Russes ce soir. Hein, ou par d'autres, c'est pas toujours les méchants. Enfin, sauf que dans les films, je pense que ça va être à nouveau eux les méchants dans les films prochainement, mais malheureusement. Corentin, je sais pas, tu as quelque chose? Alors, je peux continuer à meubler. Hein. Christine, je vous entends. C'est revenu. Moi, je sais pas. C'est revenu. Il y a un problème sur le Discord avec le seuil, si c'est réglé sur un seuil de voix. Mais bon, c'était réglé en amont, ça, Corentin, sur le seuil pour la voix. Non. Bon, mais ça fonctionne, hein, on vous laisse reprendre. Ah, côté spectateur, okay. Faites-moi des signes quand vous me perdez. Côté spectateur, le son continue. Donc effectivement, ça doit venir de Discord. D'accord. Ok, d'accord. Pardonnez-moi. Donc en fait, en 2008, on a une modification un petit peu de la définition. Moi, j'ai plus de son. Ouais, ça, il y a un truc attends, non, alors là, c'est Discord qui a planté. Ah, c'est le Discord chez Loki, chez Led. Pardonnez-nous, hein, c'est le PC là. Toutes nos excuses. Et non, mais comme ça, on reste dans le thème piratage, information. Voilà. Ah, ça fait ambiance, c'est bien. Tout à fait. Et puis en 2016 et 2019, on arrive à une définition américaine côté américain qui est plus mature, où on vous dit que bah, une opération d'information informationnelle, c'est l'emploi intégré en cours d'opération militaire de capacités liées à l'information de concert avec d'autres lignes d'opération pour influencer, perturber, corrompre ou usurper la prise de décision des adversaires et des adversaires potentiels, tout en protégeant ses propres capacités. Ouais. Et c'est le côté potentiel qui est intéressant, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de dire, genre, il y aura trois parties de l'émission. La partie 2, ça sera sur la guerre d'information, mais la partie 1, c'est d'abord sur les stratégies. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils, ce que vous avez dit sur les différentes choses. On n'a pas forcément besoin d'un contexte de vraie guerre pour être dans une guerre de l'information. Alors justement, cette nuance-là, voilà, c'est là où c'est intéressant. Ben ça dépend justement chez qui. Ah. Parce que, alors ce que je vous dis là, c'est l'approche au niveau de la doctrine militaire. Ce que je viens de vous donner là comme définition américaine, c'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les field manuals, qui sont des publications qui sont en open source, hein, vous pouvez complètement les trouver. Et sur ce qu'on appelle des GP, donc des publications conjointes. Et la dernière définition que je viens de vous dire, ça a été publié 2016-2019. Mais finalement, c'est une question et un sujet. La RMA, alors qu'on l'appelle comme ça ou pas, mais quelque part, l'arrivée des systèmes d'information de manière générale, eh ben, tout le monde l'a observé. Et beaucoup s'y sont intéressés. Donc évidemment, on va faire un petit passage par la Russie, hein, sinon ça, vous seriez triste. Et je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'avant même, là on parle avec des nouvelles technologies, mais l'influence, la propagande, la subversion, l'anti-subversion, toutes ces terminologies-là ne datent pas de la RMA. Elles sont bien antérieures. Ce que l'on a dans les années 90, c'est un pivot avec une technologie, finalement, qui se développe. Hein. On a les systèmes d'information, on a Internet, et ça n'aura fait que s'accroître à une vitesse exponentielle jusqu'à aujourd'hui, où finalement, on peut tous être producteurs de contenu, et j'insiste sur contenu, qui a changé, finalement, cette capacité-là. Pour vous donner un exemple, par exemple, en Russie, dans des petits opuscules produits par l'Armée rouge à la fin des années 20, on vous expliquait qu'il était extrêmement important de générer des sentiments parmi les populations, notamment contre l'ennemi, hein, donc y compris... Oups, donc c'est 1920, là, en l'occurrence. Ouais, ça doit être 27, moi, donc fin des années 20.
et finalement de les utiliser pour organiser des soulèvements populaires et des détachements partisans à l'arrière de l'ennemi. Donc on parle bien de cibler de la population civile pour perturber quoi? La capacité d'agir d'un ennemi ou d'un adversaire. Et on a, alors ça, je vous parle de là, on fait un très très grand bond dans le temps. On pourrait parler de toute la période de guerre froide, où là, on a eu Oui. les approches propagande et Bien sûr. anti-propagande d'un côté et de l'autre. Matriovska, des années 40 en Russie. Et puis, on va faire un petit peu un bond dans le temps, on pourra y revenir si vous voulez. Mais il y a eu des doctrines militaires russes, notamment un premier en 2014. Et là, c'est pas inintéressant de faire le lien avec le fait qu'on parle de l'invasion donc, russe en Ukraine de cette année. Mais il y a une guerre qui se déroule sur le territoire ukrainien depuis 2014, sur lequel la Russie n'est pas officiellement impliquée et a toujours expliqué ne pas être partie prenante de ce conflit. Néanmoins, et ben, en 2014, une doctrine est publiée. Alors attention, dans ce cas-là, la Fédération de Russie aborde toujours la question informationnelle avec une approche défensive. C'est-à-dire, il n'explique pas, voilà, on va l'attaquer. Et finalement, bah, la définition qu'ils font en 2014, ils vont vous parler de l'usage intégré d'une force militaire, de mesures politiques, économiques, informationnelles et d'autres mesures non militaires, donc vous êtes extrêmement large, mises en œuvre avec utilisation généralisée du potentiel de protestation de la population et des forces d'opération spéciales. Donc là, on a quand même quelque chose qui ressemble très fortement à ce qui aura été qualifié de guerre hybride, un terme qui est apparu. Ah voilà, c'est quoi ça? Voilà. Alors, Il voilà. faut qu'on explique. Ouais, alors, en fait, la guerre hybride, et c'est un terme qui est moins maintenant, mais qui a fait l'objet de beaucoup de discussions au sein des spécialistes, c'est l'idée de dire que vous n'allez pas cantonner la guerre, hein, donc. Simplement aux moyens militaires, donc cinétiques du terrain, mais que vous allez y adjoindre notamment une approche informationnelle, et ça serait donc là le résultat de cette hybridaison, puisqu'on aurait un volet et informationnel et militaire auquel peuvent s'ajouter d'autres points. D'accord, mais Pourquoi dans... ça? Pardon, je voulais finir la définition. Pas de sujet. En fait, pourquoi est-ce que ça a fait débat? Parce que certains expliquaient que c'était pas forcément quelque chose de nouveau, c'était quelque chose que Oui. l'on avait vu, et que l'utilisation même du terme d'hybride était un peu dangereux et piégeux, parce qu'on faisait référence à une approche biologique, donc là, qui vous est chère, et que c'était pas comparable à une hybridaison biologique. Voilà. Donc il y D'accord. avait énormément de débats. D'accord, sur le terme, quoi. D'accord. Mais parce que Exactement. vous avez évoqué la doctrine russe avec le fait qu'ils étaient bien prudents et qu'ils disaient que c'était uniquement défensif, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a d'autres pays qui assument totalement d'être dans une agression totale des autres? Alors attention, moi je vous parle de ça, on est en 2014. Et le temps s'est accéléré, nous avons eu une petite contraction très très Ah, rapide. d'accord. Et oui, où en Ça a 2016, on changé. continue à être sur sur l'approche défensive. Mais ce qui est intéressant, c'est en 2019, donc on a le général Gerasimov. Fun fact, on pourra parler de la so-called doctrine Gerasimov qui n'existe pas. Non, et qui finalement, lors d'une intervention devant l'Académie russe des sciences militaires, donc pas devant n'importe quel public, eh bien, il déclare que l'utilisation coordonnée des mesures militaires et non militaires va devenir quelque part la norme, et il va même jusqu'à suggérer la primauté des mesures non militaires. Donc c'est extrêmement large, vous avez informationnel, mais vous avez aussi économique, vous avez énormément d'autres approches hein, qui peuvent être inclus dedans. Et donc il y aurait une primauté de ces mesures non militaires sur des mesures militaires utilisées uniquement lorsqu'il serait impossible, et là c'est normalement ouvrez les guillemets, d'atteindre les objectifs fixés par des méthodes non militaires. C'est-à-dire qu'on commencerait par des méthodes non militaires et si on n'y arrive pas, on D'accord. glisserait sur des méthodes militaires. D'accord. Reste à définir ce qu'on entendrait là-dedans. Et ceux qui sont particulièrement clairs sur la possibilité d'user donc de tout ce qui va s'appeler des IO, donc des enfin, Information Operation, en temps de crise, alors en temps de guerre, de crise, mais aussi en temps de paix, eh ben, c'est la Chine qui finalement va elle aussi s'intéresser à ce qu'aura produit la RMA. Hein, et il est sage de dire que bah, la Chine a un petit peu profité de cette espèce de période de paix de longue durée, hein, entre les années 90 finalement,
Pour repenser et retravailler son environnement, notamment sécuritaire, et puis pour essayer de repenser et de réexpérimenter ses propres capacités et doctrines en termes de défense. Et en 2002, vous avez un article qui s'appelle, qui est dans un papier, pardon, dans The Science of Military Strategy. Alors, je vous épargnerai avec mon accent chinois catastrophique le nom des auteurs, mais si vous voulez, je pourrais vous basculer de la bibliographie. On pourra mettre ça en description, en effet, ça serait bien. Oui. Voilà, j'en ai plein. On va pas comprendre, par contre. C'est ça. On va être raisonnable. Je vous laisserai faire le raisonnable. Je ne suis pas toujours raisonnable en termes de bibliographie. Entendu. Et en fait, ils vous disent que, dans plusieurs choses, ils expliquent que clairement, finalement, l'issue de la guerre, ça dépend aussi du contrôle de l'information sur le champ de bataille. C'est large. On peut comprendre contrôle de l'information pour des besoins militaires, ce qu'on a vu, command and control, mais aussi le contrôle de l'information de manière beaucoup plus large. Ils vont décrire, on a des descriptions hein, dans ces années-là, 2002, où on vous dit que les opérations d'information sont considérées comme étant au cœur de ce qu'on appellera l'information warfare, elle peut être de type défensif comme offensif, donc on est dans les deux approches, et qu'elle peut être menée au niveau alors stratégique, opérationnel, de campagne tactique, et surtout en temps de paix, en temps de guerre et en temps de crise. C'est-à-dire que là, on se dit, voilà, on peut l'utiliser quand on estime que ce sera nécessaire. Donc, on ouvre les choses de manière très, très claire. Et ça fait un petit peu suite à un ouvrage qui avait beaucoup ému quand il avait été présenté et qui est sorti à la fin des années 90, 99, si mes mémoires ne me trompent pas, qui s'appelle « La guerre hors limite », qui est dont les deux auteurs seraient des colonels de l'armée de l'air de la République populaire de Chine, et qui tire un petit peu des constats des derniers conflits en disant parfois une supériorité technologique énorme ne suffit pas à gagner le conflit, c'est donc qu'il y a d'autres moyens de gagner le conflit, et donc d'autres méthodes, ce que les Russes appelleraient des moyens non linéaires, ce que nous on rentre dans de la guerre hybride, et là ils vont même très très loin, puisque vous pouvez, dans ce cas-là, quasiment tout envisager, et puis tout dépend d'où vous positionnez votre éthique. Il va y avoir cette question fameuse d'éthique, où est-ce qu'on... On va y venir là, avant la fin, on va y revenir, oui. C'est un vaste... Parce que là, en fait, moi, j'ai un plan de l'émission, mais on l'a torpillé, ça va... On vous écoute, hein, mais là, c'est pas du tout le plan tel que c'était prévu. On est sur la doctrine, là. Pour l'instant, on n'a pas tout torpillé encore, si. Non, mais moi, c'était plus sur les stratégies de... Mais vous laissez finir cette partie-là, et après, moi, j'ai plein de questions sur les stratégies d'influence en tant que telles, avant la guerre, en fait. Et ce qui est quand même pas inintéressant, histoire et en règle générale, c'est le point qui émeut un petit peu beaucoup, c'est que maintenant, au-delà de tout ce qui va être guerre informationnelle, on vous parle de guerre cognitive, donc de cognitive warfare, qui était une terminologie qui avait émergé il y a plusieurs années et puis qui était un peu tombée en désuétude et qui revient maintenant, où finalement, on arriverait à une militarisation des différents aspects mais de la société et de la psychologie humaine, et où en fin de compte l'esprit humain deviendrait aussi un champ de bataille et quelque part un territoire sur lequel on pourrait essayer de prendre ou pas un ascendant, et afin de modifier la façon d'agir, ce que les gens pensent, et là on arrive sur des sujets un peu importants entre ce qu'est l'attitude et le comportement d'une personne, et arriver à transformer l'attitude en comportement. Ce qui n'est pas toujours facile, et c'est un sujet... Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on voit avec les films américains, avec les films de super-héros, etc., où moi j'adore ça, mais en fait on a parce que pour un peu shifter, pour pas être toujours en ciblant les mêmes méchants, les Américains ont un pouvoir d'influence considérable, où on a Iron Man, etc., et les méchants, c'est des individus, mais par contre, les institutions ont toujours raison, et voilà, enfin, il y a quand même... Est-ce que ça rentre dans la guerre de l'influence, le soft power américain, par exemple?
Bah, alors, voilà, on en vient. Donc là, c'est Nye, hein, qui avait théorisé ça. Donc la question du soft power, qui est finalement de diffuser eh ben, sa culture, ses valeurs, pour générer une adhésion. Alors, quand vous allez générer une adhésion, les buts, ils sont divers. C'est de faciliter, par exemple, l'entrée sur des marchés, parce que ça peut être ça aussi. La projection de puissance d'un État, elle peut aussi passer par sa puissance économique, hein, donc sa capacité à gagner des marchés, voilà, par exemple. Mais ça peut permettre aussi de fournir un modèle de société alternatif auquel eh ben, une population peut venir à adhérer ou pas. Alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, encore une fois. C'est-à-dire que bah, parfois, il y a des modèles qui vont être plus confortables, dans lesquels vivre pourrait être plus confortable, au moins à titre individuel, et on peut y aspirer. Donc on est dans ces modèles de soft power. Donc on a parlé du film. Enfin, de tout ce qui est ingénierie filmique. Et on a donc le hard power, donc là où on est sur le volet militaire, et maintenant on parle aussi de sharp power, où on rentrerait dans du soft power beaucoup plus affûté, beaucoup plus dur, pour arriver justement à faire cette diffusion et à faire adhérer, Qu'est-ce eh qu'on a bien... comme exemple de sharp power? Top Gun, c'est du sharp power ou c'est... J'en Top Gun, sais ça rien. pourrait... Bah, ça pourrait en être un. Vous êtes sur. Alors après, diffuser ces films et ces valeurs, c'est un modèle d'ailleurs qui, de manière assez intéressante, a été repris par la Chine. C'est-à-dire que Oui. toute la grosse ingénierie d'Hollywood, Oui. dont on a tous été quelque part nourris, j'ai un vieux côté blockbuster et super-héros Ben aussi. voilà, on est Donc, contaminé, comme nous hein. On nous tous. sommes sous influence. Voilà. Oui, toujours. Mais l'important étant de le savoir et de savoir qu'on peut tous se faire piéger. Je pense que c'est ça aussi. C'est d'avoir une certaine humilité par rapport à ça et de se dire que bah, l'immunité bah, n'existe pas et que dans certains cas, on pourra même être quelque part hyper client, si j'ose dire, c'est-à-dire en redemander. En fait, on a des ressorts Oui. de fonctionnement psychologique qui fait que bah, on va pouvoir redemander des choses. Mais pour revenir et rétropédaler, excusez-moi si je ne suis pas très ordonnée dans mon propos, mais on a vu naître eh ben, toute une industrie du cinéma, notamment chinois, avec des fonds énormes, où on a des créations de blockbusters, donc je ne sais pas si vous en avez vu certains, Quelques-uns, qui, en termes de réalisation ou de storytelling, hein, finalement, n'ont rien à envier à Hollywood. oui. Oui, mais Et qu'on c'est le commence modèle. à... On sent bien Le qu'il y même a modèle. une sorte de shift et que ce software-là, maintenant, Exactement. il est, puisque la Chine a un pouvoir économique, clairement, ils investissent dedans. Et à titre personnel, je préfère qu'ils investissent là-dedans que dans du nucléaire, hein, militaire, en tout cas. Mais s'ils le font, c'est pas pour rien. Voilà. Non, mais non, si vous le faites, ce n'est pas pour rien. Alors, si on parle de blockbuster, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Il n'a pas percé en Occident comme d'autres films qu'on commence à voir, notamment sur la plateforme Netflix, et certains sont très bien faits, peuvent avoir percé, qui s'appelait Les Loups Guerriers. Et en fait, alors, ce film-là, c'est pour faire un. Alors, attention, spoiler attaque. Et l'idée étant de dire qu'on va avoir un soldat chinois qui, en gros, sauve tout le film, qui sont quelque part des storytelling qu'on a vu dans d'autres films, les Bruce Willis qui sauvaient Ouais, l'univers bien à sûr. l'époque. Bon. Donc c'est pour ça, on a un effet miroir. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que peut-être que vous vous rappelez pendant la pandémie Covid, donc ce qui a été appelé l'opération Infection 2.0, hein, donc une stratégie informationnelle chinoise visant à expliquer que le Covid n'était pas d'origine chinoise, mais notamment américaine, etc. C'est Pendant que accompagné. Trump l'appelait le virus chinois, donc c'était un petit peu... Voilà. Exactement, oui. Alors c'est assez intéressant d'ailleurs de voir l'évolution et puis les modèles en fait qui avaient été repris en termes de stratégie. Et on a repris des vieux modèles russes, y compris dans le nom, hein, Infection 2.0 fait référence à l'opération Infection des années 80 qui Ah. visait le sida. Donc on est sur un parallélisme de forme. Oui. Mais toujours est-il que ça s'est accompagné d'une mise en avant des ambassadeurs chinois dans différents pays, y compris en France, qui avait valu, et c'était un cas assez exceptionnel, un rappel à l'ordre de l'ambassadeur chinois par le ministre des Affaires étrangères français à l'époque pour des Oui. déclarations qui outrepassaient très largement
le discours diplomatique et que l'on a traditionnellement au niveau des ambassadeurs. Et on a appelé ces ambassadeurs qui étaient très jeunes, avec des Ah discours oui. très virulents, les loups guerriers, Je me souviens. en Oui. référence D'accord. au Ah, blockbuster, c'était par rapport au film, ça j'ignorais, d'accord. Je n'étais pas par au courant. rapport au loups guerriers. Alors, il y a eu un petit shift comme ça qui a été fait de façon assez rapide, mais parce que on a vu cette approche-là, et c'est quelque chose qui changeait beaucoup d'une approche beaucoup plus lisse, en fait, de la Chine jusque-là, Oui. où on n'avait pas du tout cette Qui approche-là, et communiquait peu finalement, oui. qui communiquait peu, où on a parlé de la diplomatie du ping-pong à une époque, donc où on était exactement sur du soft power, mais Ouais. par le sport, en Ouais, cas c'est vrai. particulier par le ping-pong. On avait parlé du panda aussi, avec Ouais. les dons du panda, donc où on était sur quelque chose de. Il y a eu les instituts Confucius aussi qui ont été classés Mais comme tout ça, rampant voilà, là, disons que dans tout ça, on est dans de le l'influence. du soft power. On est bien d'accord que ça n'est pas forcément. C'est pas le premier échelon vers la guerre. C'est juste C'est vous essayez normal de que les diffuser nations. votre image et voilà, on n'est pas dans force, on n'est pas dans quelque chose de répréhensible et on n'est pas, alors ça peut, mais c'est pas forcément consubstantiel d'une opération offensive qui va C'est s'en ça. suivre. On est dans du soft power. C'est ça. Mais alors, Voilà. parce que du coup, parce que avant de passer à la partie où on va vraiment parler de la guerre de l'information, il y a le fait qu'au-delà de ça, il y a plein de petites piques, plein de petites opérations. Alors, je ne parle pas des opérations où vraiment, où en l'occurrence, les Russes vont assassiner des gens sur le territoire adverse. On est dans des opérations, on va dire, qui n'ont pas vocation à être trop su, enfin plus ou moins, mais par exemple, entre la France et la Russie, on a le cas du Mali avec le charnier de Gossi, où on a une opération de communication, en l'occurrence les Français ont gagné, donc on va pouvoir en parler, Cocorico, on a eu sur place un drone qui a filmé des gens qui étaient en train d'enterrer des corps et qui voulaient accuser les Français d'avoir laissé ce charnier parce qu'eux partaient de leur base à Gossi. Là, clairement, ça date de 2000. Je ne sais plus quelle année, enfin c'était avant la guerre en Ukraine, donc on est. Comment? Gossi, c'est de cette année. Hein. Mais c'était avant la guerre en Ukraine ou c'était pendant? Non, c'était pendant. Bon, alors j'ai rien dit. Mais bon, Donnez-moi, on est en avril. À en tout vérifier. cas, au Mali, la confrontation France-Russie date d'avant, donc il y avait déjà des tensions, et les pays ne sont pas du tout en guerre, mais il y a quand même une lutte d'influence, en l'occurrence sur le Mali, sur ce qui se passe. Et. Donc c'est pour dire que même quand il n'y a pas de conflit ouvert, il y a peut-être d'abord des opérations secrètes qu'on ne saura jamais, et il y a aussi des guerres d'information, notamment dirigées sur la population du Mali en l'occurrence, pour attiser le sentiment anti-français, qui peut être justifié par ailleurs, mais en tout cas en l'occurrence il est instrumentalisé par les Russes. Donc qu'est-ce qu'on a comme quelle leçon on peut en tirer? Qu'est-ce qui se passe de nouveau sur ce terrain-là? Que ce soit Mali, parce que ça j'ai déjà au courant, mais il y a peut-être d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Alors, il y a à Beaucoup la de son. fois. Ah, oui, mais ça. Allô? Ça a frisé, en effet. Moi, je Beaucoup de vous son. Je ne sais pas entends. si c'est dû à Discord. Ah, ça a dû revenir. C'est En revenu. fait, j'ai l'icône qui apparaît et qui disparaît. Et Bon, quand alors, ça disparaît, je sais c'est que vous sans doute un des m'entendez. problèmes de connexion sur Discord, mais bon. Oui. En gros, ça marche. Est-ce que ma question vous est parvenue en entier? Oui, votre question m'est parvenue en entier. Alors. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Alors, je vais essayer de ne pas être trop confuse. Si je le suis crié, enfin, pas trop fort, mais quand même. Il y a déjà un intérêt quand vous allez être sur un conflit tel que l'Ukraine. Ce qui est important de voir, c'est que, eh ben, on peut difficilement rester uniquement à l'échelle du territoire ukrainien. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des enjeux économiques, on va avoir des enjeux de la nécessité pour l'Ukraine de maintenir le soutien donc des alliés et des Occidentaux pour des questions militaires de fourniture d'armes. On a beaucoup parlé des munitions, notamment ce genre de choses. Or, il est bien évident que ce soutien, cette capacité à fournir de l'armement, ne va pas dans le sens de l'adversaire de l'Ukraine, qui aimerait bien que l'Ukraine soit à court d'armement. Jusque-là, j'enfonce des portes ouvertes. J'arrive à suivre. Si vous voulez, un des moyens que vous allez pouvoir essayer d'avoir pour finalement affaiblir les soutiens de votre adversaire, le rendre donc plus faible et arriver à vos objectifs, quels qu'ils soient,
que là encore, on a des objectifs qui ont été fortement réajustés en Ukraine, qui ont été modifiés, qui ont été modulés, eh bien, vous pouvez faire plusieurs choses. Jouer sur le soutien de la population, par exemple, jouer sur la capacité de résistance économique, hein, donc utiliser des armes économiques. Et un autre point, ça peut être aussi finalement de faire ce qu'on appelle une montée horizontale de pression, c'est-à-dire générer d'autres feux qui vont faire que, pour parler vulgairement, bah, on ne pourra pas être sur tous les fronts en même temps. Donc ça peut être aussi tout simplement une stratégie. Le cas de la Russie et de l'Afrique, là encore, faut remonter à partir de 2014, où il y a un pivot qui s'est fait, où la Russie a essayé de se réengager Je ne sais sur pas ce que le les gens continent entendent. africain. Moi, j'ai entendu le cas de la Russie et Discord a replanté. Qu'est-ce qui se Ah, moi, passe? je vous entends bien. Qu'est-ce qui se passe? Fais quelque chose, Led. Non mais je ne peux rien faire, c'est juste Discord qui a planté, je ne peux pas lui demander plus poliment ou lui proposer de l'argent. Je Ni vais y poliment, aller, ni ok. tiendra pas Discord. Bon, j'essaie de rappeler. Il est bien possible que vous entendiez notre invité parce qu'on est sur deux PC, Oui, mais nous on l'a pas, normalement, donc normalement il et si l'entend. j'arrive pas à suivre, je peux pas diriger Moi je voudrais la entendre. discussion. Donc il faut que j'entende ce qui se passe, sinon c'est pas possible. Donc, du coup on relance le Discord et Et c'est le là, PC de Vlad qui sera puni. Hein, voilà, enfin quelque chose. je vous entends et j'ai Je sais pas, l'icône, donc je sais plus ce ferme que vous toutes les entendez. applications à part Discord. Je l'ai déjà fait, ce n'est pas le problème. Ah bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Est-ce que c'est voilà, revenu? c'est parfait. C'est revenu. On parlait de la Russie, on allait y venir. Oui, en fait, la Russie, elle a renforcé son intérêt pour l'Afrique qui avait fortement faibli, notamment à partir de 2014. Et là, on revient, bah, finalement, conflit ukrainien, sanctions. Et on a un pivot qui se fait dans la politique russe à plusieurs niveaux. Par exemple, un dont on a beaucoup parlé, bah, c'est de retravailler sur l'agriculture, de redevenir producteur céréalier, de faire un pivot asiatique et d'essayer de retisser des liens avec différents pays du continent africain. Et ce que l'on voit, c'est que, eh ben, à ce moment-là, on va avoir différentes opérations qui vont viser à renforcer l'image de la Russie. Et souvent, eh ben, elle travaille en essayant d'affaiblir l'image des partenaires traditionnels de ces différents pays. Alors, de différentes façons. Là-dessus, moi, je vous renverrai très volontiers sur les travaux de Kevin Limonier, qui a fait un super boulot là-dessus. Et en fait, il y a plusieurs approches qui vont aussi un petit peu dépendre des pays africains ciblés et de leur histoire et de finalement leur composition sociologique et sociopolitique. Mais ce que l'on voit beaucoup, c'est que finalement, il y a un côté quasi opportuniste, c'est-à-dire que, enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure en l'effleurant, c'est-à-dire qu'on va voir quand un contexte est un petit peu perturbé, quels sont les éléments de perturbation déjà un petit peu existants, et on va essayer de surfer dessus, Voilà. donc de les reprendre, de leur redonner de la visibilité. Et bah, pourquoi? Bah, parce qu'il est bien évident que des gens qui sont relativement sensibles à cet argument-là, parce qu'ils le partagent, ou du moins d'autres personnes qui peuvent ne pas le partager, mais qui sont familiers, parce que même si vous ne partagez pas, je ne sais pas moi, un sentiment anti-français, bon, bah, c'est quelque chose que vous avez entendu depuis longtemps, il y a une histoire. Donc à partir du moment où vous allez avoir cette caisse de résonance, ça sera plus facile de rallier que si c'est finalement pour une thématique qui arrive un peu de nulle part. Il y a déjà quelque chose, si vous voulez, cet effet de reconnaissance. Et là, on pourrait parler un petit peu des éléments qui font qu'on va être plus ou moins client de tel ou tel argumentaire, et puis parfois même qu'on va en redemander, en fait. Donc, on a eu beaucoup Voilà, mais de enfin, choses. pardon, parce que sinon j'ai des questions que je n'ai jamais réussi à poser, donc je les pose quand même maintenant, je fais du forcing. Je fais, hop, on se déplace du Mali, on vient en France. En France, on a des réseaux que nous, on connaît bien, on les connaît d'avant la guerre, c'est les réseaux de la Composphère. Voilà, enfin, anti-science, anti-vaccin, tout ce que vous voulez. Et on s'est rendu compte, lorsque la guerre a été déclenchée, qu'on retrouvait des gens pro-Poutine, pro-Russie, pro, et que quand on regardait un peu qui c'était, on reconnaissait les gens, c'est les mêmes qu'on voit dans la Composphère, qu'on voit chez les anti-vax. Et on s'est dit, vraiment, parce que moi je suis un grand naïf, hein, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Est-ce que c'était prévisible ou pas? Et du coup, la question se pose, parce qu'on est au courant qu'il y a eu des influenceurs français qui ont été contactés auparavant, pendant la pandémie,
par des gens qui parlaient beaucoup russe apparemment. Voilà, il y a eu des sujets hein, sur l'agence Faz, qui était censée être en Angleterre, mais en fait c'était des Russes, qui voulaient que les influenceurs disent du bien du vaccin russe et du mal des autres vaccins. Donc il y a comme si que il y a eu un travail de fond auparavant, d'agences, je ne sais pas comment les appeler, d'influence russe. Alors, c'est pas que les méchants, mais en l'occurrence, c'est des infos que j'ai, donc on parle de ça. En plus, c'est eux qui agressent l'Ukraine, donc à un moment donné, voilà. Hein. Je suis désolé, mais voilà. Et on s'est rendu compte, voilà, est-ce que c'est possible que la complosphère soit complètement pilotée de loin? Est-ce que c'est un fantasme? Dans quelle mesure on a des informations sur ce qu'il se passe, sur le lien entre la complosphère et la sphère d'influence russe? Alors, je vais faire une réponse qui ne va pas être super satisfaisante. Je sais pas, De mais... ce que l'on sait et de ce que l'on arrive à suivre et à monitorer, parce que là, on a un souci de monitoring, on peut avoir des passerelles qui se font parce que, y a des argumentaires communs, en fait, qui vont permettre d'avoir des influenceurs ou des groupes qui vont pouvoir se relier. L'exemple que l'on pourrait prendre, il y a une étude qui a été faite là-dessus par Karl Miller, qui a été publiée, et notamment sur la viralité des mèmes dits anti-invasion au début du mois de mars. Et en fait, ce qu'il va dire, c'est que, alors nous, on en a vu un peu, mais assez peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, tous donc sont soutiens de la Russie et anti, donc d'où la terminologie de anti-invasion, mais avec des argumentaires différents pour pouvoir correspondre à, eh ben, à différents publics. Et vous allez avoir bah, de l'antimondialisme, de l'anti-américanisme, du double standard occidental, en fonction de où vous allez aller, C'est quoi le des double standard références. occidental? Comment? Le double standard occidental, qu'est-ce que c'est? Alors, le double standard occidental, c'était par exemple de dire qu'on ne jugeait pas du tout cette guerre avec le même standard, notamment par rapport aux violences humaines, que cela avait pu être fait principalement au Moyen-Orient. Donc, c'était vraiment en visant le Moyen-Orient, en disant, bah voilà, quand on est sur une guerre finalement qui touche des Caucasiens, des personnes blanches, et ben les Occidentaux sont quand même beaucoup plus prompts à Ils se sentent plus exactement. concernés et il se trouve que l'information est parfaitement correcte en plus. Voilà, que quand eux sont, parce qu'on allait sur le calage de quand eux sont acteurs au Moyen-Orient, donc on avait derrière tout ce volet-là qui pouvait se raccrocher à, bah, à des groupes parfois qui pouvaient, alors avec des éléments hein, sur lesquels on pouvait aller, mais qui pouvaient être plus ou moins radicaux. Donc on avait cette diffusion-là qui se faisait. Et ce que l'on peut avoir bah, finalement avec certaines sphères qui sont complotistes, c'est que eh ben, vous allez avoir plusieurs éléments récurrents. Donc finalement, vous allez pouvoir rentrer par une porte dans des chambres d'écho et puis réinjecter des fausses nouvelles derrière. Ce que l'on voit beaucoup dans la diffusion des fausses nouvelles, souvent, c'est qu'on a finalement très peu de comptes qui publient beaucoup. Et puis après, on a, si vous voulez, une courbe qui a cette forme-là. Une Voilà. traînée longue. Donc ça s'appelle une long tail. Et au final, donc au début, peu de comptes qui produisent beaucoup, et puis finalement cette espèce de traînée de poudre qui suit et qui va pouvoir récupérer. Alors là où par contre, moi j'enjoins à la prudence, c'est que tomber dans l'excès inverse et de dire que la main de la Russie est partout me paraît quelque part tout aussi abusif, parce que déjà, alors c'est ma façon de voir les choses, mais je peux pas le démontrer. Donc moi, si je ne peux pas le démontrer, On évite d'y croire trop. voilà, je ne sais pas. Et puis, ça suppose une force de frappe énorme. Parfois, on peut avoir aussi des mouvements autogénérés qui, à terme, pourront servir sans forcément être le fruit d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont générés. Mais il ne faut pas non plus. Disons que la généralisation, là, à outrance, sans avoir testé ou vérifié, me paraît dangereuse également, Mais il se trouve que quelque part. juste, voilà, quand on constate, quand on connaît les réseaux, on voit qu'il y a une superposition assez Il forte, y en a une. très Non, très non, très il y en a une. forte. Mais il y a eu aussi des points où on était sur des choses hallucinantes, où la Russie était à l'origine de tout. J'exagère à peine en disant que quand la foudre était tombée sur le toit du 2 rue Quincampoix, c'était aussi ça. Donc,
Faut pas. Il y a une mesure à garder, tout en sachant que quelque part, cette perception de surpuissance informationnelle sert aussi la Russie, parce que bah, C'est vous ça. créez de la dissuasion C'est quelque ça, part. voilà. On a On peur parle d'eux. beaucoup de la dissuasion nucléaire, hein, donc qui est le fait de dire que vous avez une telle puissance de frappe que vous allez dissuader votre adversaire de prendre une décision. Hein, on en vient encore ou d'agir contre vous. Pourquoi? Parce qu'il aurait ce que l'on appelait dans la période de la guerre froide le MAD, donc la Mutual Assurance of Destruction. Ah oui. Donc en plus, ça faisait un bel acronyme MAD, c'était parfait. Math, ça veut dire fou, hein, pour ceux qui ne suivent pas Ouais. l'anglophonie. Mais alors, C'était mon accent pour et cette je pense. idée que la Russie a ciblé des influenceurs français, est-ce qu'on a eu des enquêtes journalistiques? J'ai pas connaissance que ça ait abouti à quelque chose où on a identifié des choses. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que vous en savez de ça? Alors justement, il y a eu plusieurs enquêtes, il y a plusieurs journalistes. Alors il y a le Guardian notamment qui avait fait tout un travail là-dessus, avec des journalistes qui se disent, bah oui, moi j'ai été contacté, et au début ça me paraissait quelque part classique, pour un travail de pigiste, quelque chose de classique, et au final on me demandait d'avoir une ligne éditoriale plus marquée, et je me suis aperçue sur les fonds que bah effectivement on avait des choses qui étaient assez peu claires. Donc ça, c'est des choses que l'on a, que l'on, qui ont pu être observées. Ce qui est très compliqué dans toutes les opérations informationnelles, c'est l'attribution. Et moi, enfin, là-dessus, c'est encore plus compliqué quand on va aller sur du contenu digital, des réseaux sociaux, des blogs, de l'information digitale. L'attribution dans les cyberattaques qui vont attaquer les systèmes, c'est un énorme sujet. Pourquoi? Parce que il vous est difficile de pouvoir enfin de pouvoir dire je suis à 100% sûr Oui. que cette attaque cyber a été commanditée par tel acteur, étatique ou non étatique, pour aller à tel endroit. Et quelque part, il y a une capacité de brouillard qui est extrêmement pratique. Et ce qui amène souvent, si vous avez lu notamment des rapports de l'ANSSI, eh ben, ils vont vous dire supposé d'acteurs russophones, supposé d'acteurs Ouais. sinophones. Voilà, C'est vague. ce qui est vague parce que ils vont vous dire voilà, je peux pas dire à 100%, je ne suis pas à 100% sûr que. Donc, je suis prudent. Ce qui amène à dire que finalement, faire une déclaration dans ce sens-là revient à poser un acte politique, c'est-à-dire que vous faites le choix de dire Oui. j'ai 70% de certitude, On assume. 80, D'accord. 85, 95, j'assume le pourcentage d'incertitude et je déclare que. C'est ce qu'a fait notamment Joe Biden. On a pu le voir quand il y a eu les différentes attaques et notamment de ransomware où il a clairement expliqué qu'il estimait que la Russie était responsable. C'est pour les attaques cyber. Pour le volet informationnel, vous allez avoir exactement le même, mais avec une subtilité. C'est que il y a ce qui est répréhensible, donc vous allez diffuser sciemment des informations que vous savez fausses ou pour nuire. Il y a ce qui n'est pas répréhensible, du soft power. Vous essayez d'expliquer que bah vous allez diffuser vos valeurs ou quoi que ce soit. Tant que vous n'êtes pas dans du processus mensonger, tant que voilà, Ou du c'est pas trafic forcément d'élections, du trafic d'élections, comme c'est tant que vous soupçonné aux êtes États-Unis et en France. Il y a Voilà, tant que vous êtes sur une approche éthique, sur le principe, bah vous essayez simplement d'expliquer que votre modèle est valable, donc ce n'est pas répréhensible. L'enjeu, ça va être de dire, un, déjà d'arriver à avoir clairement le donneur d'ordre, c'est-à-dire qui est-ce. Si c'est un journal à côté ou une agence de presse qui s'est créée il y a 2 mois et qui disparaît, au pire, on va vous dire quoi? On va vous dire le responsable, c'est le directeur de l'agence de presse. Mais il a tout à fait pu agir de son propre chef, en fait. Donc oui, c'est pas bien, mais est-ce qu'on le rapproche à un État? Ça peut être compliqué. Après, on peut avoir des faisceaux d'éléments qui nous disent oui, enfin, ils sont quand même tous plusieurs, exactement au même moment, à un moment géopolitique, et ils sont tous proches du pouvoir. Oui, est-ce que ça fait des preuves qui vous permettent d'être sur le 100%? Mais On est sur qu'est-ce que cette c'est petite qu'une valeur. preuve? C'est toujours le problème, c'est Est-ce que que c'est qu'une il n'y a preuve? pas que Et voilà. ça, même pour une vraie agression, une vraie attaque, il y a toujours des moyens de dire ces gens qui étaient là, c'est du matériel français ou américain, mais c'est pas nous. Il y a Et là, toujours eu c'est ça. encore discuté.
Et c'est encore, il y a encore une subtilité supérieure, si j'ose dire, c'était la terminologie de l'idiot utile, de dire, ben, je savais pas, j'y ai cru, j'ai diffusé, et là on va faire la différence entre désinformation et mésinformation, Tout à où fait, on a fine ligne. diffusé. Exactement. Et puis, bah, c'est à quel point vous avez une sincérité dans le je ne savais pas et j'ai rebasculé ou pas. Parce Donc, que en les fait, idiots utiles, c'est justement toute la question de la complosphère. Il y a probablement une partie qui sont des idiots utiles dans le sens où leur travail de sape, de confusion, sert des intérêts qu'ils ne cherchent pas à servir. Mais il y a peut-être aussi des gens qui savent très bien ce qu'ils font. c'est exactement le sujet. Et ce problème d'attribution, quand on veut justement avoir bah, ce doute raisonnable, hein, c'est-à-dire ne pas accuser à tort ou autre, eh ben, le problème, c'est que la nature des opérations d'information et la nature des nouvelles technologies accroissent quelque part de manière très forte, eh bien, cet espace où on aura des incertitudes. Ok. Et c'est là où on va avoir bah, toute cette capacité de pouvoir jouer sur différentes choses. Alors, c'est évidemment très pratique quand vous voulez en jouer. Et on peut même avoir eh ben, ce qu'on va appeler des théories du déni plausible. Et vous pouvez même jouer quelque part de la volonté d'un. Mais alors, que ça soit une personne, que ça soit un groupe social, que ça soit une institution, que ça soit un État. Parce que c'est pas obligé de se jouer à un niveau uniquement étatique, hein, quelque part, de dire voilà, je veux avoir des preuves. Il y a beaucoup de choses qui mènent à, mais je ne me prononcerai pas tant que je n'ai pas de preuves. Et tant que vous pouvez jouer quelque part de ce flou, ça laisse une grande capacité, eh ben, d'action, d'agir. Et pendant tout le temps où vous agissez, eh bien, vous avez une diffusion, vous pouvez accroître de la viralité. Et là, on va avoir plusieurs choses selon ce que Ça vous rappelle allez avoir. les marchands de doute, la mécanique Vous allez avoir de... les marchands de doute ou du doute raisonnable. On va arriver à ne plus croire en rien. Et où là, on peut avoir ce pivot qui peut être effectivement dangereux avec bah, énormément de choses qu'on connaît, hein, y compris des détournements du processus scientifique, hein, qui est simplement de dire bah, voilà, on va essayer de faire une proposition, une hypothèse qui vient pas de nulle part. Enfin, je peux avoir une imagination débordante, mais j'essaye de garder ça pour ma vie privée. Et de dire, bah voilà, il est cohérent de penser que, donc je pose une proposition, mais je vais la tester. Et en fonction du test, si elle est reproductible, généralisable, etc., bah voilà. Et c'est très Et c'est compliqué là de le où faire, ouais. Dans ces contextes. Mais là, je vous coupe, c'est parce que du coup, compliqué de le faire dans parce ce contexte. on a largement débordé le... Parce que vous ne voulez pas Ah, faire on a trop tout long, mais là, passé. du coup, on va passer On a tout passé. à la Ah, partie 2, quand désolé. même. Mais du coup, j'ai des petites annonces à passer. Donc, merci d'être en live avec nous ce soir. Si le sujet de la guerre vous passionne, parce que la guerre, c'est trop cool, évidemment, non. Il y a eu deux émissions dans le passé, Les sciences de la guerre et de la paix, avec Gabriel Galis du GIPRI et Quentin Sensier de la chaîne Sur le Champ. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est que la guerre, qu'est-ce que c'est que la paix, comment on passe de l'un à l'autre, et c'est quoi l'irénologie, la science de la paix. On a eu Sauvage, guerre et inégalité à la préhistoire, avec Christophe Darmanjac, qui est économiste mais qui fait aussi de l'anthropologie, pour s'intéresser à ce que le mythe du bon sauvage est réel ou est-ce qu'il y avait déjà de la guerre dans le passé. Ben, en fait, mauvaise nouvelle. Hein, Il y a un blog, si les gens sont intéressés, plein de choses très voilà, intéressantes. Christophe, donc allez voir ces deux émissions-là et vous aurez Il avait un les super liens. nom, son blog. C'est un jeu de mots. J'ai pas retenu, j'ai pas noté, donc vous allez regarder. Vous tapez le nom de l'émission et vous aurez les infos en description. Ce soir, l'émission est réalisée par Corentin. On met des petits cœurs pour Corentin qui était à la caméra et qui est dans la régie le reste du temps. Et puis nous avons à la modération Alexandre, Elodie, Moxiva et je ne sais pas qui d'autre. Donc on les salue ceux qui sont dans l'équipe et on les remercie d'être avec nous. Comme on a un petit peu fait n'importe quoi avec le planning, je vais faire directement tout de suite là les petites réclames pour des bouquins intéressants. Vous avez ce livre-là de nos amis Sébastien Deguez et Sylvain Delouvet, qui sont des spécialistes du complotisme, qui ont écrit le livre Le complotisme, cognition, culture, société. C'est un très épais, il est plus gros que celui de Pascal Wagner-Guerre, que je salue aussi, qui sera notre invité bientôt. Mais il est plus cher, hein, c'est lui qui m'a dit, il est plus gros, mais il est plus cher. Donc ce bouquin est très très bien. Et puis Vlad, tu vas prendre en photo? Bien, hop, tu vas prendre en photo. Absolument. Parce que j'ai eu un courrier tout à l'heure, et quand je suis arrivé au local, et j'ai découvert quasiment en direct de ce soir, ce livre-là,
hein, auquel vous aurez accès en 31 août, Dieu la contre enquête, et l'auteur, bah, c'est moi. Donc on fait une photo en direct avec Vled, et elle sera sur les réseaux. Vous aurez assisté en direct à la prise de la photo. C'est bon, c'est prêt ? Vled, c'est du direct. Tu en as des milliers. J'ai plein de photos, donc vous pourrez les voir. Donc, Faire des gifs. Il est très bien, mais ce livre, c'est pas la guerre. Hein. C'est un peu hors sujet. Ça va l'engendrer. Non, c'est une réponse à ceux qui prétendent avoir des preuves scientifiques de l'existence de Dieu, notamment. Voilà, et oui, c'est là. Donc, Son blog s'appelle La Hutte des Classes. Et j'aime beaucoup ce jeu de mots. Parce qu'il s'intéresse aux modes de vie ancestraux ou dits primitifs, primaires des gens d'aujourd'hui qui sont hors de la technologie. Donc voilà, ça c'était la petite pause. Et donc on a évoqué, on va parler à partir de la guerre de l'information, mais j'aimerais qu'on fasse un peu une transition avec les sujets qu'on était là avec nos idiots utiles et le rôle des pseudosciences. Est-ce que on peut supposer que les régimes autoritaires, il n'y a pas que la Russie hein, dans le monde, mais qui ont un pouvoir de projection comme ça, puissent utiliser ce qu'on va appeler la complosphère, parce que c'est un mot vague, mais voilà, ces gens existent, pour créer du désordre, pour créer quelque chose, pour finalement empêcher les démocraties d'avoir des prises de décision claires et nettes en réaction à leur stratégie. Est-ce que c'est de la science-fiction ? Est-ce que c'est j'en fais trop et on est déjà dans presque de la pensée complotiste en attribuant des intentions ? Ou est-ce qu'on a des preuves d'existence de telles stratégies d'exploitation d'un terrain social perturbé, j'ai envie de dire ? Alors, en tout cas, des tentatives d'eux, oui, on en a, et c'est ce que l'on avait vu, hein, donc la capacité, finalement, à aller surfer, ce que je disais tout à l'heure sur la partie africaine, sur des contextes perturbés. Oui. Et là, je vais essayer de revenir rapidement sur un petit truc, c'est la différence entre attitude et comportement. Quand on parle, dans le cadre qui nous occupe d'attitude, le problème, c'est que c'est quelque chose qui va, en règle générale, être super difficile à chiffrer, à quantifier, parce que, justement, on est dans le domaine de ce qu'il va penser. Alors que le comportement, eh ben, on va être de l'autre côté, sur ce qui va être observable. Le problème, c'est d'arriver de faire passer d'une attitude qui, en plus, ne peut pas être observée. Donc, vous pouvez seulement essayer de la mesurer en posant des questions. Donc, les sondages, avec tout ce que ça implique. Voilà. Alors, moi, je ne pensais pas forcément à des sondages, mais à quelque chose d'un petit peu plus, plus précis quand on va faire de la recherche, où on va essayer d'avoir à la fois du questionnaire fermé avec différentes raisons, et puis du qualitatif. Débranche-moi là-bas. C'est ça qu'il faut. Débranche-moi là-bas. Et puis du qualitatif pour essayer. Parce que j'ai encore pas du son, je suis désolé. Débranche-moi là-bas. Et je vais mettre. Non, mais c'est bon, je vais mettre Discord chez moi, parce que ça suffit. Et en fait, en soi, on estime que l'attitude, elle a trois composantes. En fait, on va pouvoir essayer de l'évaluer, hein, parce que c'est la tendance d'un individu à évaluer un objet, une idée, une autre personne. Et il y a un volet qui va être cognitif, grosso modo ce qu'on pense savoir. Un volet qui va être affectif, j'aime pas. Et puis un volet qui va être conatif, donc l'intention. Et derrière, vous avez le comportement, qui serait l'action, votre comportement. Et en fait, tout l'enjeu dans ces niveaux-là, eh ben, c'est de dire qu'on va réussir de passer d'une attitude à un comportement. Et l'attitude, ce n'est pas toujours le comportement. Il y a pas mal d'études qui ont été faites comme ça. Il y en a une qui est un peu rigolote, alors qui date un peu, qui de la fin des années 30, ça doit être 37, je crois, par Corée, qui, en fin de compte, interrogeait des étudiants sur la tricherie. Et bah, tous réprouvaient la tricherie, ah oui, mais au final, bah, ils trichaient tout autant que les autres. Donc, entre l'attitude et le comportement, bah, on avait un gap. Donc, c'est des sujets qui sont importants quand vous voulez les faire. Et il est évident que si vous voulez avoir, moi, j'ai un peu coutume de le dire, comme au Cluedo, eh ben, faire avoir une action précise, le colonel Moutarde avec le chandelier à 18h dans la cuisine et dans l'angle droit, c'est beaucoup plus difficile, finalement, que simplement créer un ensemble de perturbations qui, à une échelle de et ben, la cohésion et la prise de décision beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça que finalement, agiter un ensemble de groupes ou de micro-groupes sur des éléments qui leur sont familiers ou pour lesquels ils ont déjà une, on va dire, un penchant, c'est beaucoup plus simple, c'est moins coûteux et bah, quelque part, vous ratissez certes à grosse maille, mais vous allez forcément en récupérer quelque chose pour un coût relativement moindre parce que bah, finalement, créer du contenu
En ligne, c'est pas forcément si cher que ça, et le rendre viral, c'est pas forcément si cher que ça. Donc ça, c'est des éléments qui sont assez importants, je pense, dans ces éléments-là. Mais je sais pas si j'ai pleinement répondu à Mais votre je ne sais pas si question. j'ai tout compris, mais je vais faire ce que je peux. Et là, j'ai un problème de retour dans mes oreilles. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est très pénible. Alors, je retire ça. Donc, on a parlé de la guerre en tant que telle. Qu'est-ce qu'on a comme. Vous parlez? On se. Non? Moi, Bon. je vous entends. Je Qu'est-ce vous... qu'on a comme exemple dans l'actualité de preuve de guerre de l'information? Que les gens aient pu voir dans les dernières semaines ou les derniers mois, hein, je pense par exemple à l'hôpital à Marioupol, par exemple, ce genre de choses, ou d'autres choses peut-être moins connues mais qui seraient plus faciles pour démontrer les stratégies qui sont en œuvre, et éventuellement aussi la question de est-ce que nous, on projette, quand je dis nous, c'est les Occidentaux, les Ukrainiens, les Américains, les Français, on projette est-ce qu'on a une action de guerre sur le public russe, par exemple? Alors, C'est deux questions, pardon. J'aime bien faire deux questions toujours. Et c'est ouais, pénible pour vous, mais vous allez non, non, vous débrouiller. tout me va. Enfin, presque tout. Alors, déjà, peut-être pour nous, ce qu'on s'autorise ou ce qu'on ne s'autorise pas, au niveau français, on a des doctrines. Hein, donc, on a eu une doctrine informatique défensive d'abord, parce qu'on avait du mal à admettre l'idée de pouvoir avoir une doctrine offensive informatique. Ensuite, on a eu la LIO, donc la doctrine offensive, et on a sorti récemment, l'année dernière, la L2I, qui elle vise informatique et influence, information. Donc on est là-dessus, mais ça a été l'objet en France d'un gros travail, notamment suivi par un comité d'éthique qui est composé de, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 18 personnes, pas que des militaires. Donc il y a des juristes, il y a des spécialistes de l'éthique, il y a évidemment quelques militaires. Et on est arrivé à dire, oui, on s'autorise à utiliser des opérations, par exemple, informationnelles, mais dans un cadre strict et dans un cadre d'éthique strict. Alors, je ne vais pas vous en faire le détail, mais par exemple, on s'interdit de l'utiliser sur sa propre population et on s'interdit de l'utiliser hors action de guerre et pour déstabiliser un État. Donc voilà, ça fait partie des grosses lignes rouges quand on parlait d'éthique, mais avec une prise de conscience qui est de dire, et je vous rappellerai la déclaration du général Gerasimov, que finalement, bah, les moyens non linéaires peuvent prendre la primauté sur les moyens linéaires qui finalement n'arriveraient qu'après quand on n'a pas réussi à. Donc on a cette approche-là. Alors, il y a quelque chose qui a quand même changé la donne, et si vous me permettez cette incise, mais qui rejoint votre question numéro 2, donc je ne suis pas loin, c'est le développement de ce qu'on appelle l'OSINT, donc l'Open Source Intelligence, donc le renseignement de sources ouvertes, en français, into the text, parce que bah, cette guerre, comme vous l'avez dit, on l'a en direct. Alors, on peut penser effectivement aux médias et aux canaux, mais on a aussi tout ce qui est parallèle, les chaînes Telegram, les réseaux sociaux, tout ce que l'on va pouvoir avoir. Et il se trouve que, eh bien, il y a eu une. Et on l'avait déjà, donc je pense que finalement, l'invasion a plutôt été un déclencheur de quelque chose qui existait au préalable, c'est-à-dire beaucoup de gens qui vont vérifier les informations, qui vont vérifier les vidéos, qui vont vérifier les photos. Et qui font un travail, pour ceux qui ne connaissent pas, qui va vous aller chercher jusqu'à vérifier la position du soleil, le Oui. sens du vent, pour avoir le positionnement. Moi, je sais que pour l'avoir fait faire à des étudiants, Quelqu'un a fait souvent. ça pour le cas de Adrien Baquet, qui prétendait avoir assisté à des crimes de guerre des Ukrainiens contre les Russes. Et des gens ont fait l'enquête sur les photos qu'il a publiées sur les lieux, qui ont recoupé un peu les dates. Et en fait, ils ont vu que, bah, il n'était pas là au moment où les choses arrivaient, donc il a menti. Voilà, alors là, on était sur recouper des dates, mais alors dit comme ça paraît extrêmement simple. Au final, on peut aller vraiment très très loin et pour les chercher, ça peut être assez compliqué. Non, il y avait aussi Donc des vous avez... photos. Ils avaient pris les photos qu'il avait prises. Ils ont pris sur Google Street ou d'autres sites les bâtiments pour faire des recoupements. Ah, il y avait tel dessin sur le Non. bâtiment, donc il était là.
Ouais. Et vous allez essayer de vérifier le jour. Donc, par rapport à la déclaration, vous allez avoir l'heure. Donc, vous allez prendre la position du soleil. Vous allez même regarder les images satellites, s'il y a des marqueurs qui ont changé. Alors, je vous donne des exemples comme ça, rapides, hein, mais vous allez pouvoir regarder le sens du vent, si vous voyez qu'il y a un nuage, par exemple, qu'il y a un feu, pour vérifier si c'est vraiment le jour, l'heure, etc. Donc, en fin de compte, il y a eu tout un travail assez énorme qui a été fait en OSINT. Alors, qui va vous prendre du temps quand on démarre, mais les gens qui manipulent et qui ont leur mallette d'outils vont assez vite et qui ont permis finalement de démontrer que aussi bien ce qui était grossier, c'est-à-dire la réutilisation par exemple de la photo d'un charnier qui pouvait être, alors ça c'est plus ancien, c'est avant l'invasion, qui était censé être en Ukraine et qui en fin de compte était en Bosnie. Donc c'était une vraie photo. Elle était simplement décontextualisée. Donc on a ça aussi, hein. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a truquer une image, il y a la décontextualiser, il y a en changer l'axe. Il y a énormément de choses comme ça qui peuvent être faites dans un sens comme dans l'autre. Et là encore, vous pouvez avoir des gens qui vont le faire à dessein et vous pouvez en avoir qui vont le faire de bonne foi, clairement. Oui. En disant, oui, j'ai une photo et il y a du rouge, par exemple, sur la route, c'est forcément du sang. C'est pas toujours forcément du sang. Parce que, par exemple, vous allez avoir des véhicules pour le traitement des foules qui vont lancer de l'eau colorée. Alors, il faut vérifier, oui, non, comment, c'est tout un travail qui peut être très long. Le problème, c'est le temps. C'est que le temps que vous alliez vérifier, eh bien, vous allez devoir suspendre votre jugement. Et là, on a un vieux problème qui est nos émotions, tout le facteur émotionnel. Quand c'est quelque chose auquel vous allez avoir tendance ou envie de croire parce que ça correspond, vous allez avoir un effet de confirmation. Hein, Et puis si ça génère beaucoup de dégoût, de colère, voilà. confirmation plus grosse émotion égale, vous allez avoir tendance à moins vérifier les choses Et on et veut vous allez partager avoir vite. tendance à plus vite le partager. Et là, il y Oh a un mon Dieu. truc qui est intéressant. C'est que, il y a plusieurs études. Alors, encore une fois, là, on a un vrai problème méthodologique qui fait que on avance, mais on avance doucement. Notamment sur le lien entre viralité et persuasion. On a plusieurs études. On se dit qu'il y a un lien, que c'est un lien qui n'est pas trivial, mais qu'on n'est pas sûr du 100% sur la viralité. Après, il y a plusieurs travaux qui vous disent que plus vous allez être en contact d'un contenu, même si vous ne l'avez pas choisi, donc de manière involontaire, ça aura quand même un impact. Il y a aussi les éléments qui vont être de familiarité. Quelque chose que vous avez vu Les souvent va redevenir familier, expositions. vous Ouais. aurez tendance Mais exactement ce qui est à être. intéressant aussi, c'est que parfois les gens qui vont partager partagent sans adhérer totalement, juste au cas où, parce que c'est trop grave. Comme c'est grave et que ça Exactement, génère le beaucoup just in d'émotions, case. je partage, je peux pas être le mec qui reçoit l'info et qui la garde pour moi. C'est trop grave. Donc, et ça veut pas dire qu'on y croit. Et ça ne veut pas forcément dire que l'on y croit. Ça peut, mais ce n'est pas une obligation. Le problème, c'est que de le diffuser va le rendre viral et va, ne serait-ce que par la masse, pouvoir lui amener de la crédibilité parfois. Mais là, on a eu énormément de choses, pardon, qui ont été débunkerisées. Alors certaines qui avaient été clairement diffusées à dessein par des organes de presse précis, notamment les organes de presse des républiques autoproclamées. De Donetsk et de Lugansk, où là parfois on avait des choses qui étaient un petit peu grossières, et puis d'autres qui étaient pas faites de manière vraiment à dessein sur de la population. Il y a eu aussi quelque chose, c'est que finalement quand on est dans une guerre, eh ben toute information va devenir stratégique et va avoir des conséquences notamment humaines. Et là, on a un véritable enjeu, y compris avec ce qu'on va pouvoir diffuser ou pas diffuser, et ça peut amener à des problèmes de compréhension, voire à des glissements. Typiquement, on sait que quand il y a des bombardements, qu'ils arrivent, en règle générale, votre objectif quand vous bombardez et que vous dépensez un peu d'argent et un peu d'énergie à envoyer des obus sur une cible, le but en règle générale est donc de la détruire. Jusque-là, j'enfonce encore une porte ouverte. Si vous Mais c'est avez, la guerre, alors on peut le faire. et c'est ça, si vous avez très rapidement une photo du bâtiment que vous avez ciblé, qui est sur les réseaux et que vous-même vous observez les réseaux, puisqu'il y a énormément de choses que vous pouvez voir sur vos réseaux, et que vous voyez que vous n'avez pas complètement réussi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un tir de répétition. Sauf que ce tir de répétition, alors, il va y avoir un enjeu stratégique, d'accord, mais il peut y avoir un enjeu humain en plus. Ça me Donc il y a eu toute rappelle, une. pardon. Ce journaliste russe qui avait montré un joli char d'assaut de l'armée russe à la télévision en disant un petit peu trop de choses et
le camp d'en face a pu localiser le char et le détruire dans la journée. Exactement. Ça, c'est OSINT. Alors, c'est exactement ça. Ça va être alors soit de... Enfin, là, c'est clairement hein, de l'open source de l'OSINT qui aura été utilisé à des fins militaires. Donc, parfois, il y a une demande qui a été de dire « diffusez, mais attendez un peu ». Simplement pour éviter les tirs de répétition. D'accord. Et entre le « diffuser » et « attendez un peu » et « vous faites un contrôle de l'information » et donc « vous ne voulez pas que ». Oui. Forcément, en temps de guerre, c'est voilà. Peut-être le seul contexte pire qu'une épidémie, c'est la guerre. Parce que dans l'épidémie, a priori, l'ennemi, c'est le virus. Et lui, il n'est pas censé pouvoir contrôler les médias. Alors que dans la guerre, en face, on a des gens qui ont des intentions. Et donc, ça m'a l'air extrêmement compliqué. Mais ma question était, parce que du coup, on n'a pas répondu du tout. Pardon. Est-ce que les gentils d'histoire, les Français, les Américains, non les gentils, et les Ukrainiens, utilisent des outils? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on sait de l'utilisation de la guerre de l'information par l'autre camp, aujourd'hui dans la guerre en Ukraine? Alors, peut-être qu'on ne peut pas en parler. Peut-être que c'est un truc compliqué pour vous ou pour d'autres gens. C'est trop délicat, c'est trop tôt. Mais au moins, je pose la question. C'est surtout tôt, en fait. Mmh. C'est surtout tôt pour en parler, parce que, comme je disais, pour le faire de façon sûre, et au-delà de dire on va protéger un camp ou pas le protéger, bah faut être en capacité de remonter l'information. Et ça, c'est plus compliqué. Alors, il est évident que vous allez, quand vous êtes en guerre, essayer de protéger votre information et de diffuser le maximum d'informations qui permet notamment de maintenir le moral de vos troupes, le moral de votre population. Bon, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ça fait oui, ça sauter. Ça marche. D'accord. Est-ce que vous allez... la question, c'est comment est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire en diffusant des informations positives ou des informations mensongères? Ça va être l'enjeu. Il y a aussi un autre point, et qui peut être pour tous les camps, d'ailleurs, une difficulté à remonter une information fiable. Ça peut parfois être, dans la rapidité, difficile. D'avoir le nombre de morts, par exemple, quand quelque chose est tombé, eh ben, il faut pouvoir les compter, il faut pouvoir y aller. Et ça, c'est quelque chose que l'on perd de vue parce qu'on a cette guerre tous les jours à la télé, mais on ne l'a pas sur le terrain. Mmh. Eh ben, il faut aller sur la zone de guerre, il faut récupérer les corps. Parfois, ça peut prendre du temps, donc il faut compter. On sait bien aussi que, on l'a bien vu des deux côtés, chacun veut minimiser le nombre de ses victimes. Je disais, vous allez vouloir avoir, eh bien, finalement, maintenir votre capacité d'effort de guerre. Donc limiter eh bien, les informations néfastes pour non seulement le soutien de votre population, mais aussi pour ne pas donner des informations qui pourraient être utilisées à rebours. Donc on est vraiment dans une guerre où l'information est quelque chose, où les contenus sont quelque chose qui est réellement devenu stratégique. Et ce qui est intéressant avec l'OSINT, c'est qu'on a une capacité maintenant, quasiment tout à chacun, alors ça demande des savoir-faire, mais en restant que sur de la source dite ouverte, hein, donc on n'est pas allé sur de l'information dite grise ou noire, illégale, etc., de pouvoir revérifier beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qui a éclaté, notamment en Ukraine, parce qu'ils ont une société civile qui est hyper dynamique là-dessus, et qui finalement travaille sur ces sujets-là depuis maintenant 2014, donc oui. Ça fait quand même un certain nombre d'années, qui a permis d'avoir une mobilisation extrêmement rapide. Mais là encore, en fait, attention. Ils étaient prêts, finalement, depuis le temps que la guerre est chez eux. Nous, on ne s'en rendait pas compte, mais eux, ils le voient bien. Donc, ils étaient prêts à riposter sur ce terrain-là. Bah, en fait, on espère toujours que la guerre ne va pas frapper à sa porte. Moi, je travaille sur la zone depuis un certain temps, et on a oublié en fait qu'il y avait une guerre qui continuait de se dérouler dans la partie est du territoire, dans le Donbass, alors qu'elle était une guerre plus statique, donc moins dynamique, hein, avec des tranchées, etc. Mais si on parlait de guerre de faible ou de moyenne intensité, qui connaissaient des pics cycliques d'ailleurs. Néanmoins, c'était une guerre où y a des gens qui continuaient de mourir. Donc, où vous êtes dans une société qui est habituée à être en guerre, qui va travailler, qui va se former. Donc, effectivement, qui est beaucoup plus prête. Et qui craignait qu'il y ait... Alors, qui craignait en espérant que ça n'arriverait pas, hein, c'est des discussions qu'on a eues avec, avec d'autres analystes qui s'en voulaient en disant « Mais j'aurais dû le voir venir plus près. » Oui, mais on n'a jamais envie. Et là, on pourrait parler justement d'un biais de perception, de se dire que c'est sa propre maison avec sa propre famille dessous qui va être bombardée. Oui. Mais il y avait cet effort-là et cette volonté-là. Et on l'a vu finalement dans la capacité de réaction extrêmement rapide de l'Ukraine au début de la guerre.
où bah, ils ont résisté très fortement. Alors certes avec un soutien occidental, militaire et aussi d'information, hein, différents pays occidentaux en ont pas fait mystère, notamment les États-Unis, de soutenir l'effort, notamment en imagerie satellite. À ma connaissance, il y a eu beaucoup de généraux russes qui ont été tués parce que les Américains ont donné les bonnes informations sur ils sont là, 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 et les mecs étaient pouf. Bah, alors, il y a ça, et puis, en fait, on a eu au début du conflit une Russie qui a étiré vraiment ses lignes logistiques, hein, c'est-à-dire que vous aviez finalement entre tout ce qui permettait d'alimenter la guerre et puis les lignes de front des très très grands étirements, et puis souvent qui étaient mal protégés, voire pas protégés. Et on a eu des opérations ukrainiennes très mobiles, donc qui se déplaçaient sur des points de faiblesse, qui faisaient du retrait stratégique, donc Avec avec les cette espèce drones. de grande mobilité. Il y a eu le travail des drones, on a beaucoup parlé des Bayraktar, par exemple. Il y en a d'autres qui sont intervenus. Et ils ont été efficaces, ils ont eu un savoir-faire, ils ont été rapides, mais ils ont aussi su où aller exactement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au bon endroit, même si vous êtes rapide, même si vous êtes efficace, si vous n'êtes pas au bon endroit, ça marche beaucoup moins bien. Et en fait, l'information et le renseignement sont vraiment extrêmement stratégiques. C'est aussi pour ça que quelque part, vous avez eu parfois des détournements d'outils, type du hacking de vidéos à l'intérieur des villes, qui permettaient de savoir où était, par exemple, basée eh bien, telle unité ou quoi ou qu'est-ce. Ça a été des détournements parce que ça devient des objets qui vont donner de l'information stratégique. Donc on est vraiment sur quelque chose de complexe. Et d'intéressant. Et pour revenir sur l'OSINT peut-être, il y a un élément quand même qui est important, c'est que quand vous faites de l'OSINT, eh ben, faut pas oublier que le cyberespace, c'est un peu comme marcher dans de la neige, et que bah, vous allez chercher, mais vous allez laisser des Ah empreintes. Donc oui. on peut savoir qui vous êtes et qui cherche, et vous pouvez avoir eh bien, des retours de représailles. Par exemple, alors, et ça de manière générale, hein, ou que vous soyez. Et puis il y a un deuxième élément qui est souvent. On aurait un exemple concret de ce type de gens qui les tracent et puis qui ont des conséquences. Alors il y a eu, y a eu ouais, il y en a eu quelques-unes. Alors peut-être que certains d'entre vous avaient vu l'IT Army qui a été un appel de l'Ukraine à finalement des civils de rentrer dans cette espèce d'armée IT. Donc ils ont essayé d'organiser en essayant de ne pas trop franchir la limite du droit de la guerre, en faisant etc. Mais bah, certains n'ont pas été discrets et leurs identités ont été complètement dévoilées, ils ont eu des serveurs cramés, enfin voilà, il y a eu des cas comme ça, de retour de flamme, si j'ose dire, qui étaient posés. Et puis, il y a un autre enjeu, notamment sur l'OSINT, c'est que parfois, vous allez trouver des données en source ouverte. Donc, vous vous dites, super, c'est de la source ouverte, pas de problème. Sauf que vous pouvez avoir des données en source ouverte et les exploiter. Sauf que ces données peuvent être le résultat de hacking, par exemple. Et dans ce cas-là, eh ben vous serez quand même, vous aurez une responsabilité et vous pouvez être poursuivi. Donc il y a aussi Ah oui. tout un enjeu. Ouais. Il y a Enfin, aussi quand tout on est un dans un enjeu. contexte de guerre, j'ai envie de dire, les gens s'en moquent un peu des Alors oui et non. conséquences juridiques, non? Oui et non. Quand vous Alors. êtes que sur de la question juridique du domaine d'une amende, bon, ça peut ne pas être votre première priorité, mais il y a quand même un moment où ça va revenir. Là où ça peut poser d'autres questions d'ordre juridique, et je reviens à l'IT Army, c'est en fonction de ce que vous allez faire quand vous êtes donc civil, volontaire, pas engagé dans une armée, et que ça peut être considéré comme étant un acte de guerre. Vous tombez sous quel droit? Quelle est votre juridiction? Vous êtes militaire, vous êtes dans une guerre, dans une action de guerre, très bien. Vous êtes civil, vous menez une action de guerre, pas bien. Pas bien. Donc on a Il une y a la vraie bonne question juridique. guerre et la mauvaise guerre, j'avais dit. Ben, il y a la guerre que vous êtes autorisé à faire et il y a la guerre que vous n'êtes pas autorisé à Mais faire. Et alors, c'est un vrai attendez, parce que du juridique. coup, Vladimir, il a demandé à qui l'autorisation pour faire la Ah guerre? ben alors, d'ailleurs, c'est une question intéressante. C'est toujours pas reconnu comme une guerre, en fait. C'est une opération militaire spéciale. Oui, pour les Et Russes, donc, on mais est pour pour les les Russes. autres. Oui. Mais ça change beaucoup dans la façon dont ils vont gérer, par exemple, par rapport à la conscription. Quand vous n'êtes pas dans Oui. un état de guerre, eh ben vous n'allez pas lancer un état de conscription. Vous n'allez pas tourner toute votre économie sur l'effort de guerre, D'accord. Enfin, de toute notamment. façon, l'économie, elle a déjà été bien impactée pour d'autres raisons. Oui.
Mais alors, du coup, je reviens parce que j'ai une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Et je pense qu'en soi, c'est la réponse sur qu'est-ce qu'on peut savoir des efforts de guerre de l'information faits par le côté ukrainien occidental. Pas grand-chose, apparemment. Et du coup, puisque c'est là où on n'a pas la réponse, par contre, il me semble, je consomme un peu les médias comme tout le monde, que nous, occidentaux, on est abreuvés de... Disons qu'au départ, il y a eu une invasion. Moi, personnellement, je me suis dit, vache, les Ukrainiens vont se faire laminer. Ils ont résisté de manière étonnante. C'était très impressionnant. Et depuis, on a un narratif qui est les Russes vont perdre la guerre. C'est, je le vois partout dans nos journaux. Et je me demande dans quelle mesure ça fait pas partie, consciemment, pas consciemment, d'un effort d'envoyer un message. Et pour que nous, en tant qu'Occidentaux, on y croit. Est-ce que ça fait partie de la guerre ? Alors, ça peut faire partie, effectivement, de dire on garde une motivation, on n'est pas sur une cause perdue, donc on peut y aller. Alors, là, pour le coup, moi, j'ai une lecture qui est moins extérieure, en fait, à la vôtre. Et moi, j'ai entendu des moments où on disait c'est pas sûr, il y a une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a eu, effectivement, cette première phase de les Ukrainiens vont se faire laminer. Mmh. Il résiste étonnamment bien. Il y a une possibilité que peut-être. Mais il y a une chute. Et en fait, je pense que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'un conflit, c'est non linéaire. Donc, ça n'avance pas de manière régulière. Qu'un conflit, c'est multivectoriel. Et qu'il est extrêmement difficile de pouvoir être absolument certain de l'issue d'un conflit au moment où il se déroule. On peut se dire que là, on a des éléments qui sont en faveur d'eux, des éléments qui sont en défaveur d'eux. Dans la mesure et dans la limite des connaissances que l'on a, puisqu'on en revient à la capacité d'information, on a les informations qu'on peut recouper, on a ce que l'on savait au préalable, mais ça demande une certaine prudence parce que oui, mais on n'est pas. Là, pardon, je me fais l'avocat de. Peut-être, après tout, je vous attaque et vous allez vous défendre. J'ai l'impression quand même qu'on a beaucoup entendu les Russes sont désorganisés, les Russes sont nuls, Poutine est malade, Poutine va se renverser. On est abreuvé comme ça de messages encourageant sur le fait que la Russie va s'écrouler au moins sur le champ de bataille. Et voilà. Et dans les faits, on ne constate pas vraiment le fait qu'ils échouent, quoi. Il y a eu les deux, mais il y a eu du wishful thinking, bien sûr, à minima, parce que quand vous prenez parti pour un camp, vous préférez que ce soit lui qui gagne, en règle générale. J'entends bien. Donc il y a eu des déclarations qui étaient et quand je dis wishful thinking, c'est parce que il y avait pas d'assises en fait quelque part derrière. Il y avait juste ils ont wishful, bien résisté. Donc comment on traduirait en français? C'est une sorte de pensée motivée. On veut croire. Magique, un petit peu. Ouais. Du vœu pieux ou de la pensée magique. Quelque chose auquel on veut vraiment vraiment croire parce que ça va nous arranger. Donc il y a eu ces éléments là. Il y a eu des voix qui étaient un petit peu plus mesurées, et puis il y a eu aussi un autre point, et je pense qu'il faut quand même l'évoquer, c'est qu'on a eu beaucoup d'experts du moment, parce que ça a mis en lumière, beaucoup... Maintenant, tout le monde place l'Ukraine sur une carte. Je pense que là, ça c'est à peu près clair. Et ça a ramené beaucoup de gens, en fin de compte, qui avaient... pas ni la connaissance de terrain, ni la connaissance zone, ni forcément une approche... En gros, c'est le problème des médias qui invitent des gens pas compétents. Et ça, on peut l'avoir, et on peut avoir un effet d'entraînement. Et effectivement, plus vous allez avoir quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous confirmer, plus vous pouvez avoir tendance à... au cas particulier, est-ce que c'est volonté ou pas volonté? C'est là où on va avoir un problème. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à avoir... Alors, encore une fois, là, pour le coup, moi, je suis... ayant un peu les deux pieds, les deux mains dedans, j'ai moins cette approche que vous avez, quelque part. Parce que moi, à l'heure actuelle, quand j'écoute un petit peu les médias, j'attends d'un jour à l'autre que Poutine décède ou se fasse désinguer par un collègue. C'est ce que j'attends, ce que je vois. Un peu moins maintenant, mais il y a 15 jours, on parlait que de ça. Encore, on pourrait... Si on veut se faire un peu l'avocat du diable, quand bien même demain on aurait un changement de gouvernement en Russie, quelle que soit la raison,
une maladie, un excès de plomb dans le corps, lancé à vitesse rapide et percussive, Oui. voilà, quelle que soit la raison. Est-ce que ça solutionnerait forcément la guerre? Bah, c'est pas forcément sûr, en fait. Non. Parce que est-ce que on peut automatiquement considérer qu'un changement de régime, hein, le régime change dont on entend beaucoup parler et qui était quelque chose de très très à la mode, notamment dans les dans l'approche américaine, veut dire démocratisation du régime et volonté de retour à la paix rapide? C'est pas forcément Le sûr. pire n'est jamais sûr. Oui, on pourrait aller jusqu'à Murphy, mais donc là encore, ça me paraît être trop, ne prendre qu'un seul élément. Alors je vais en revenir hein, à de l'analyse, à ce que l'on fait, hein, à une approche solide, scientifique, c'est de dire on va pas prendre une seule variable, on va pas prendre un seul élément et essayer de chercher et se dire que bah, finalement on est sur quelque chose qui est un système complexe. Et que bah on peut avoir des éléments de probabilité pour aller plus dans un sens ou dans l'autre, mais là encore qui peuvent être mobiles. Et c'est ça qui est particulièrement Mais alors, compliqué dans ce genre de débat. je m'adresse à. Comme vous êtes experte et que vous avez quand même. Vous êtes. Vous dites les deux mains dedans. Est-ce que vous constatez que le public français est mal informé sur un aspect de la guerre par rapport à ce que vous savez? Et pour quelle raison? Alors, je pense que un des soucis de l'information, c'est parfois de ne pas prendre de hauteur et d'être en focus sur un point précis. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir souvent. Alors, je peux comprendre pourquoi, quand c'est fait de, je veux dire, de sans malignité, je peux clairement comprendre pourquoi. Mais faut réussir à prendre un petit peu de hauteur et à essayer de regarder l'ensemble de la photo de temps en temps. Et ça, c'est super compliqué à faire. Et puis, bah, on a des éléments qui peuvent remonter où finalement, on va avoir ces Anacola Lebedev qui parle beaucoup de ça, la théorie de la goutte de poison. Ça, c'est un élément qu'on voit beaucoup, qui est de dire, on a un élément, on va prendre un point et on va le généraliser à outrance. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir d'un côté comme de l'autre aussi, d'ailleurs. Ça, c'est des points que l'on va voir. Après, la vraie difficulté, au final, c'est le format. C'est le format de l'information et c'est la rapidité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et on pourrait rajouter derrière une approche mercantile ou de rentabiliser le temps et notamment le temps d'attention. Pourquoi? Bah parce qu'on est sur une situation qui est, on l'a dit, complexe, évolutive, multivectorielle, particulièrement émotionnelle en plus, puisqu'on parle de guerre, donc avec des gens qui meurent, des militaires, des civils, des femmes, des enfants, enfin voilà, ça fait assez peu de distinctions. Et tout va très vite. Et il faut donner des réponses immédiates, claires, compréhensibles par le plus grand nombre en un temps record. Quand on vous dit, bah voilà, expliquez-moi et détaillez-moi une situation complexe en 3 minutes, On peut pas. eh bah, sauf à dire, ça va pas être facile, c'est Ouais. compliqué et on est dans la mouise, que ça, je peux vous faire en 3 minutes, c'est vraiment difficile Mais je vais quand et même être c'est un. très méchant et insister. Est-ce qu'on a Ouais. concrètement un aspect de la guerre ou deux ou trois? Donc vous vous dites là quand même, ça, on le sait, et c'est pas ce qui transparaît, c'est pas ce qui est dans les Un médias. point qui a été, à mon avis, très largement sous-estimé, c'est qu'on a été européano-centré. Oui. Et on n'a pas voulu du tout regarder quelle était la perception de ce conflit dans le reste du monde. Or, si on estime que le monde entier, c'est les soutiens occidentaux, c'est-à-dire, donc évidemment l'Ukraine, mais les pays européens, les États-Unis et le Canada, fort bien, mais c'est un peu limitatif. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas voulu voir. Donc on n'a pas voulu Et on tenir n'a compte pas. du fait que la Russie avait encore des alliés et pouvait encore avoir des ressources Et on n'en autour. a absolument pas tenu compte. Et ça peut faire partie d'éléments qui amènent à du wishful thinking, hein, ce que l'on avait dit en disant, bah voilà, on va y arriver ou ça sera facile. On est sur un conflit, je le disais, hein, qui a, je le pense, je peux me tromper, qui a lieu à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Et on risque d'avoir des secousses de cette guerre
dans des niveaux économiques, dans des niveaux de relations avec les autres pays, y compris hors de la zone qui est géographiquement, militairement, directement impactée. Il y a des gens Et qui ça. parlent de troisième guerre mondiale, c'est abusé? Alors, le problème de la Troisième Guerre mondiale, c'est si le conflit sort des frontières ukrainiennes. Donc, c'est pour ça que la question de la co-belligérance avait fait Mais aussi. un débat très important où la Russie dit attention, ne devenez pas co-belligérant, ne dépassez pas cette ligne rouge, 1, 2, 3, pardon, cette ligne rouge de co-belligérance. La position étant de dire tant qu'on ne fait que livrait des armes, alors on faisait une distinction entre armes défensives et armes offensives au début du conflit, donc tant qu'on disait qu'on était dans de l'arme défensive, on n'était pas en co-belligérance, tout dépend où vous allez poser et pousser le curseur. C'est quoi une Après. arme défensive par rapport à une arme offensive? Voilà, alors là c'est tout le curseur, hein. Dans le cas, il y en a une que vous allez utiliser principalement pour vous défendre, donc on va parler notamment de la portée. Donc la différence, c'est le mode d'emploi. Si vous avez un mode d'emploi qui vous dit c'est pour vous défendre, vous aurez l'utiliser. Non, pas que. Ça va être par exemple la portée. Là, on a beaucoup parlé des Himars et alors peut-être que ça vous parle, hein, Non. des Himars américains et des Césars français, Ah ça donc d'accord, qui c'est étaient les chars. à la... Non, c'est des lance-roquettes Pardon, multiples. oui, enfin c'est des véhicules avec un canon, quoi. En fait, c'est des véhicules avec des canons, mais qui ont une portée beaucoup plus longue et qui sont mobiles. Et pourquoi est-ce qu'on va dire que c'est offensif? Parce que là, vous n'allez pas juste attaquer la personne qui vous attaque à moyenne portée ou à courte portée. Vous allez faire ce que l'on appelle, le terme technique étant donc des frappes dans la profondeur. Donc vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, quelque part, et aller toucher les points stratégiques. Donc vous allez pouvoir contre-attaquer. C'est la différence que l'on fait et elle est... Voilà, c'est une différence militaire subtile, mais c'est l'enjeu. Et à partir du moment où quelque part on est passé dans ce principe-là, bah ouais, il y a un risque d'être considéré comme dans de la co-belligérance. Et à quel moment on va dépasser ça? Ok. Donc il y a aussi cet enjeu-là de basculer dans un conflit, dans une contagion du conflit. Bah, il y en a beaucoup qui ne veulent pas la passer, personne ne veut la passer. Ce qui est un petit peu cette espèce de limite, mais c'est un des risques, ouais, d'être considéré comme co-belligérant. Et dans ce cas-là, si demain on vous dit que vous êtes co-belligérant, que faites-vous? Là, ça commence à craindre très fort pour la Bah, Troisième ça Guerre dépend des mondiale. positions que vous allez prendre et de la prise de décision et aussi de où va chacun. Parce que partir dans. Enfin, je veux dire, on voit déjà le coût. Et là, on pourrait être simplement même, il y a le coût humain, mais le coût économique d'une guerre qui est, avec toutes les guillemets qui conviennent, limitée à deux États. Si vous faites la même, mais que vous ne la limitez pas à deux États, et que vous rentrez dedans des puissances telles que l'OTAN, les États-Unis, etc. Vous n'êtes absolument pas sur la même échelle. Vous allez avoir des conséquences qui vont être énormes. Humaine, économique, sociale, d'équilibre. Peu de gens ont envie d'y aller. On revient sur ce que l'on disait, hein, le MAD, la Mutual Assurance of Destruction. Oui. Donc jusqu'où est-ce qu'on va marcher sur cette ligne? Et quelque part, pour tout le monde, de vouloir rentrer en guerre au-delà de deux États. C'est un véritable enjeu. Et Ben justement, j'ai une question ouais. qui prolonge ça, qui est, alors, c'est des choses qu'on voit dans dans la fiction, c'est des choses qu'on voit dans tous les récits complotistes. C'est l'idée que au-delà des États, donc il y a des États qui sont identifiés, on sait qui te commande, il y a des structures plus ou moins obscures, ou des grandes entreprises qui ont des intérêts qui sont distincts de ceux des peuples. Et alors, on pense à ceux qui vendent des armes. Eux, ils ont intérêt à vendre des armes, donc à la limite, la guerre, c'est sympa. Est-ce qu'on peut imaginer, et là, évidemment, je rentre dans le spéculatif et je m'attends à ce que vous me disiez non, parce qu'on en a parlé avant, mais quand même, je la pose la question. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des grandes entreprises, des structures, des gens puissants qui fomentent, qui créent de l'agitation, qui créent des problèmes pour créer du conflit parce qu'ils veulent que la guerre ait lieu pour avoir accès à des ressources ou pour balayer des États qui font obstacle? Dans quelle mesure ça n'est que de la fiction et ça n'est que du complotisme, mais en même temps, dans l'histoire, il y a des choses qui ont ressemblé à ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est hors champ? Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre
une situation de crise avec l'approche, pour le coup, l'approche chinoise, hein, l'idéogramme de la crise, c'est une catastrophe et une opportunité, grosso modo, en même temps, et la capacité de pouvoir bénéficier de cette crise-là et la générer à cette échelle, à des fins. Alors, il est évident... Donc, on peut être opportuniste sans être celui qui a provoqué... On peut complètement être opportuniste sans forcément provoquer. Et on peut avoir aussi autre chose qui peut permettre de nourrir du discours complotiste, qui est que vous pouvez avoir des personnes ou des structures qui vont prendre des décisions. Il y en a une qui a été faite notamment, qui a été une décision prise par une société privée. Ça a été Starlink d'Elon Musk qui a pris la décision d'ouvrir son réseau à l'Ukraine pour qu'elle puisse continuer à être connectée. Est-ce que Elon Musk a lui-même fomenté la guerre pour pouvoir se faire un coup de pub fabuleux sur Starlink ? Alors, sur non, Elon Musk et ce qu'il peut faire en coulisses, je pense qu'il faut faire une émission. On ne peut pas savoir. Hein. Peut-être qu'il le fait. Il est fou. Hein. J'ai rien qui me le prouve. Non, et il y a la capacité aussi à pouvoir le faire. Moi, je vous renverrai quand même à un élément et à un travail qui est, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et que vous retrouverez sur Internet, sur Thiller Vigin, qui est sur les corrélations illusoires, où il vous montre deux graphiques parfaitement alignés, et qu'en fait, on a tendance à se dire, bah ouais, c'est forcément lié, en fait. Ah. Et ben, forcément, toujours. Spurious Correlations, c'est le nom du site. On en parle souvent en zététique. Et ben voilà, et on peut avoir ça, donc on peut avoir bénéficié, profité, voire avoir eu une approche complètement non éthique et essayer de se faire de l'argent au bénéfice d'une guerre, de tirer son épingle du jeu, les déclencher. On peut avoir des raisons qui vont le déclencher, la perte des enjeux économiques, alimentaires ou autres, bien sûr, et on l'a fait ça depuis que l'homme est homme. Hein. Il est arrivé que, eh bien, on ait des guerres qui soient déclenchées. Pourquoi ? Bah pour des captations, par exemple alimentaires. Oui, ou l'accès aux minerais ou l'accès à des pétroles. Minerais, etc. Ça, on va pouvoir l'avoir. Après, parce que typiquement, bon, c'est très compliqué, c'est pas pendant une mais la guerre en Irak, on l'a faite pour des raisons qui ne sont pas celles qu'on a données. Donc il y a aussi un double discours entre les États. Donc forcément, c'est normal que les gens se demandent, mais c'est quoi les vraies raisons derrière les conflits ? Et là, on est dans des zones très grises où on a plein de gens qui ont plein de récits tout près, ou des récits qui vont être générés comme ça à la hussarde dans la complosphère. Et si on n'a pas des gens qui peuvent expliquer des choses pour s'approcher du vrai, alors on va se contenter de ces récits complètement tarés peut-être, mais qui au moins posent des questions. Puis qui ont quelque part le côté séduisant d'être rapidement saisissable. C'est-à-dire et qui sont aussi, qui vont mettre en conformité les conséquences avec les causes. Quand la cause est importante, on veut que la raison soit importante. C'est pour ça que le 11 septembre, c'est compliqué, parce qu'en fait, on a des types avec des cutters qui font s'écrouler les deux tours du World Trade Center. L'incommensurabilité entre les causes et les effets est telle qu'on préfère s'imaginer qu'il y a autre chose derrière. Alors qu'on va avoir une logique, en fait. On peut avoir, mais qui... Et encore une fois, ça peut être multivectoriel, et c'est très souvent multivectoriel. C'est bien le problème. En fait, en règle générale, la cause unique, elle peut, hein. Enfin, elle est quand même souvent multiple. Mais pour connaître les causes multiples, il faut de la culture. Moi, j'ai conscience de mes limites. Je sais que je ne comprends pas le conflit ukrainien, ou très très peu. Mais si jamais quelqu'un s'illusionne sur ses capacités à comprendre un conflit qu'en fait il ne comprend pas, il va s'emparer d'un récit. Puis c'est bon. Oui, parce que ça va être beaucoup plus simple et ça va limiter les incertitudes. Et en fait, l'être humain déteste l'incertitude. Oui. Et on va préférer à la limite même un... Alors c'est le cas, c'est la question du fumeur de cigarettes. On va préférer quelque part quelque chose qui sera potentiellement défavorable mais qui... va balayer une incertitude que de garder une incertitude. Et on en revient aussi à la capacité de temps. Et finalement, si on a une explication simple, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, s'il y a une explication simple, bah, quand vous me donnez une explication compliquée, c'est pour m'embrouiller et c'est donc pour me manipuler.
Sauf que, bah, malheureusement, on a souvent des explications qui sont complexes et qui sont difficiles. Et ça, on le retrouvera finalement dans bien des champs. Alors, on va le retrouver dans le champ militaire, bien sûr. On va le retrouver en médecine, on va le retrouver en biologie, on va le retrouver en physique. Et malheureusement, bah, il y a des gens qui passent leur vie là-dessus et qui n'ont encore pas toutes les réponses. C'est-à-dire que parfois, on se dit, bah voilà, là, j'ai identifié des éléments, mais les éléments que je peux identifier à l'instant T. Parce que si j'avance avec ma capacité qui sera accrue, et puis la capacité, alors par exemple, je pense à l'histoire, ça peut être la capacité technique, en fin de compte, hein, qui permet de récupérer plus d'informations. Ça peut être la capacité toute bête, mais d'ouverture d'archives. Là, je pense aux relations internationales, à la géopolitique, qui permettent de récupérer des informations que vous n'aviez pas avant et qui permettent d'ouvrir sous un jour nouveau. Mais néanmoins, encore une fois, on peut avoir quand même des éléments, mais qui demandent une recherche, qui demandent une connaissance, qui demandent une culture, et qui permettent d'avoir, eh bien, au moins un cadre, parfois incomplet, qui pourra être amendé. Et c'est quelque part une des. Enfin, moi, je trouve, et peut-être que vous me trouverez enflammée, mais pour moi, c'est une des beautés de la science, en fait. C'est que, eh ben, on avance et que finalement nos pairs peuvent revoir le travail qui a été fait, le refaire avancer en fonction des connaissances J'entends acquises. bien, mais là, on parle Donc de gens voilà. qui veulent savoir, et pas de Mais si chercheurs comment? qui. Mais c'est pas le même Mais là, métier. on arrive quand même, on a quand même des éléments, c'est-à-dire qu'on a des travaux, quand on parle d'histoire et d'historiographie, par exemple, et de l'utilisation de l'historiographie russe, là, on a quand même des éléments qui sont assez patents. Ouais, mais Et qui permettent de encore voir qu'on a faut-il. des détournements forts. Mais faut-il encore aller les chercher? Et si. Mais malgré tout, je reviens à ma question. Ouais. Parce que j'évoquais, certes, c'est un scénario qui est un petit peu complotiste, n'empêche que des complotistes, un peu comme les astrologues, parfois ils peuvent trouver l'heure. Comme une montre cassée qui a l'heure deux fois Voilà. par jour? Comment est-ce qu'on sait, ou comment est-ce qu'on pense que c'est crédible qu'il n'y ait pas de structure, de grosses entreprises qui fomentent des conflits, des entreprises, notamment des médias, qui ont accès à des plateformes, qui peuvent modeler les opinions. Pour créer du conflit. Et quand on a préparé l'émission, la réponse était que la paix, c'est quand même plus rentable, en fait. Mais C'est ça. comment on explique ça pour que c'est au-delà juste de cette évidence qui est posée comme ça, mais qui pourrait être fausse? Bah, en fait, on peut essayer de prendre différents éléments. Le coût induit, on peut avoir énormément de choses, mais là encore, ça demande de chercher, ça demande d'aller créer. Et il y a un deuxième élément quand même sur la guerre qui est, alors, non seulement la paix, c'est plus rentable, En général, oui. mais c'est plus prévisible. Quand Et le vous marché est démarrez une mieux. guerre, c'est pas ça. C'est que quand vous démarrez une guerre, vous savez à quel moment vous allez la démarrer. Il est impossible de savoir à quel moment vous allez la finir. Mettre fin au conflit, donc la résolution de conflit, c'est un véritable enjeu et on a beaucoup de difficultés à mettre fin à des conflits, même quand ce sont des conflits qui sont coûteux, pour les entreprises, politiquement, socialement. Et ça, c'est un enjeu. Quelque part, même d'un point de vue business, avoir un conflit qui va être imprévisible, l'imprévisibilité économique, c'est pas quelque chose que les grandes entreprises aiment. Bon, ça, c'est une réponse en soi. J'ajouterais que, et là, on rejoint le côté de l'information, c'est que un pays comme la Russie, il aura intérêt à arrêter le conflit quand il pourra produire un récit du type on a gagné, on a obtenu ce qu'on désirait, et du coup, on s'arrête. Et donc, ça, c'est flou parce que on ne sait pas ce qu'ils veulent, enfin, ça n'a pas été dit. Donc, dans quelle mesure il y a aussi de la guerre de l'information sur on vous enfume sur ce qu'on veut pour pouvoir s'arrêter ou continuer. Bah, là, en fait, on en vient au principe de négociation et où celui qui a le plus d'incertitudes, finalement, va être dans un cadre de négociation en position d'infériorité. C'est les théories, les théories de l'acteur, voilà. Donc, tout ce que l'on va avoir. Et en fait, Moscou a beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont réajusté leurs objectifs militaires. Donc, on l'a vu. Au début, on était sur, alors je reprends avec toutes les guillemets qui vont bien la terminologie, mais de dénazifier, démilitariser.
Bon, après, on était sur libérer les peuples du Donbass, étouffer l'économie ukrainienne et avoir ce couloir de terre en arrivant jusqu'à la Crimée. Donc, on réévalue et on réajuste. L'enjeu, et vous le disiez, c'est quelque part de transformer une opération militaire en succès, en victoire politique. Pourquoi? Parce que justement, vous avez toute cette espèce de travail d'information que vous avez mis où il faut que vous puissiez arriver à une victoire. Et tant que finalement, vous n'avez pas très clairement défini ce qu'était votre victoire, eh bien, vous avez une capacité de négociation sur où est la ligne rouge de l'autre ou pas. Et la deuxième chose, c'est que pour arriver à la table des négociations, en règle générale, eh bien, il faut qu'il y ait un des deux, il faut qu'il y ait une appétence à la négociation et à la paix. Et en règle générale, cette appétence, bah, vous allez souvent la retrouver quand, pardon, ça a fait du bruit, un des deux camps va avoir un avantage suffisant pour arriver dans une position de force et finalement obtenir le plus possible dans la négociation, voire obtenir une capitulation déguisée, qui serait l'objectif final. C'est pour vous de gagner le plus. Je grossis beaucoup. Tant que vous êtes sur des éléments qui sont où les deux camps peuvent estimer gagner ou ne pas gagner assez ou être dans des pertes acceptables, bah vous allez avoir des négociations qui vont être beaucoup plus difficiles à mener. Et quand vous ne savez pas quel est l'objectif de guerre final, précis, et bah vous n'avez pas la ligne rouge. Donc vous êtes quelque part dans du flou en Oui. face de vous. Et c'est la grande Et question de est-ce que c'est la la grande Russie veut question. s'arrêter à l'Ukraine ou pas, par exemple. Et c'est une des grandes questions qui est sujet de débat et qui est notamment sujet de débat entre les pays d'Europe de l'Est et d'Europe de l'Ouest, où certains sont beaucoup plus modérés en disant oui, mais bon, c'est un conflit lointain, là où notamment les pays plus voisins Oui. disent Parce qu'ils attendez, et entendent quelque part, les explosions. voilà. Ils entendent l'explosion et amènent des éléments en disant, attendez, on a eu différents éléments, donc la Géorgie en 2008, la Crimée en Tout à fait. 2014, là on avance et quelque part on fait des pauses et finalement les territoires qui sont occupés peuvent être ensuite solidifiés, hein, donc on peut consolider le gain territorial pour essayer potentiellement d'avoir une plateforme qui permette de réavancer quand on en aura l'utilité ou pas. Et il se trouve que dans les déclarations que la Russie a pu faire, elle a quand même été souvent prise en faux d'annoncer des éléments et puis de ne pas forcément les respecter. C'est une petite Donc on va menteuse, la Russie. faire. Et quand on dit que là, on ne va plus faire de tir et puis que dans les heures qui suivent, on a des missiles qui tombent, Oui. ça va être un peu compliqué. Mais on joue aussi là-dessus. Vous jouez sur les incertitudes, finalement, des uns et des autres et de votre capacité de négociation. Et vous jouez, alors on parlait de dissuasion, mais on peut jouer aussi sur ce qu'on va appeler l'aversion au risque, et notamment une aversion au risque des pays Bien occidentaux, sûr. qui est un grand sujet, notamment entre la Pologne et d'autres pays, y compris la France. Oui, mais à un moment, à être aversif au risque, eh bien, vous risquez de repousser une échéance qui pourrait être tout aussi longue et un risque qui pourrait être tout aussi Il y a un violent à risque terme. à ne rien faire. Et Alors, celui-ci, en général, on le mesure moins. vous prendre un effet boomerang, en fait, qui est un des arguments. C'est ça. Alors moi, du coup, j'ai Voilà. deux questions pour finir, qui se rejoignent plus ou moins, qui est qu'est-ce qui protège le mieux contre la guerre d'influence? Donc, nous, on vit dans ce qu'on appelle une démocratie. C'est discutable, mais bon, c'est quand même mieux que dans d'autres coins. Une société où il y a un débat démocratique possible, est-ce que c'est ça qui protège, est-ce que c'est ça qui rend sensible? Bon. Et puis, deuxième question, plus sur les individus. Quels conseils vous pouvez donner aux gens qui nous regardent là, qui veulent éviter de se faire manipuler, qui veulent éviter d'être influencés par des États, le leur ou les étrangers, ou éventuellement des méchants dans l'ombre, voilà. Qu'est-ce qui protège les États et comment les individus peuvent essayer de moins se faire avoir? Et puis on aura fini. Bah je pense que les deux questions se rejoignent et j'ai pas de réponse totale et absolue. Bah voilà, on y est encore une fois où je n'ai pas de réponse complète. Mais alors, des débuts de réponse, des pistes. Des pistes et des débuts, on va souvent jouer sur l'émotivité et sur le temps court. Déjà savoir qu'on peut tous se faire piéger et qu'on n'est pas immunisé, je pense que c'est un bon point. Parce que Donc faire plus de on la va zététique. ouais, plus penser qu'on est immunisé, c'est le meilleur moyen de clignoter en fait. Moi, je suis faible et je le sais. Voilà. Donc, arriver à avoir ça, prendre le temps,
Et c'est parfois extrêmement compliqué de prendre le temps. Et quand on va avoir une réaction très émotionnelle, ça peut être justifié, ça peut n'être rien, mais ça doit poser question. Ça doit vraiment poser question. Et puis, bah, avoir cette approche de prendre le temps, d'essayer de vérifier, de, OK, pourquoi je réagis? Si je reçois beaucoup plus de contenus qui me font réagir d'un point de vue émotionnel dans un temps précis, bah, qu'est-ce qui se passe autour? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est pas un hasard? Prendre des habitudes de fact-checking, mais encore une fois, et ça, je veux dire, il serait trop facile d'aller stigmatiser de l'autre côté. C'est pas quelque chose auquel on est forcément habitué. On est dans une société de l'immédiateté. On a tout très vite. Et finalement, bah, essayer de décompresser le temps, c'est difficile et c'est pas habituel. Et il y a des situations dans lesquelles ça sera encore plus compliqué. Mais voilà, et c'est vraiment bah, cette Vous n'avez pas espèce d'approche. menti, hein. C'est pas une réponse, c'est très frustrant. Après, je comprends, c'est Je vous il dis, faut qu'on j'ai s'habitue pas à avoir des réponses de réponse. frustrantes sur des problèmes compliqués, mais Ouais, je suis désolée de vous laisser sur une frustration, c'est terrible. Alors mais qu'on j'ai aimerait des malheureusement réponses faciles. pas de réponse magique en fait et de réponse facile. C'est très décevant. Ouais, je sais, ça m'arrive souvent d'être Mais décevante. globalement, c'est la sagesse même. C'est-à-dire que C'est la bonne si réponse. c'était facile, il n'y aurait pas de problème. Et Et je encore une rappelle fois, trois les mots-clés en démocraties pensée ouvertes, critique c'est qui leur problème. sont temps, confiance et contexte. Et dans une guerre, le contexte, c'est la guerre, on n'a pas le temps de faire confiance. C'est le pire contexte possible pour se faire Oui. une idée, la guerre. Ouais. C'est extrêmement compliqué et c'est bien et c'est bien tout le problème. Et même pour des gens qui vont être experts d'une zone qui ont une connaissance, comme les éléments sont volatiles, non linéaires, avec eh ben, différentes variables qui vont rentrer, même là, la certitude est en soi un danger, quoi. Vraiment. Donc, il faut Et douter, je sais que modérément. j'ai Non, pas de mais réponse j'entends bien. totale. Je suis désolée. Alors, avant de vous donner le mot de la fin, petite annonce pour la suite. Donc, l'émission, c'était la 113. On va revenir au mois de septembre, parce qu'on fera une pause en août. Le 13 septembre, vous notez, parce que, sauf coup du sort, on sera en public. Nous serons dans l'amphidéléage, le bel amphidéléage. Merci à l'Université de Lorraine de nous accueillir. Merci à Julie qui rend ça possible. Nous recevrons Thomas Heams, Heams, qui est un biologiste, et on va parler avec lui de la métaphore du code génétique, puisqu'on aime bien parler de code génétique. En fait, il s'avère que ce n'est pas une métaphore, il n'y a pas de code génétique. Donc on va dire, comment est-ce qu'on fait pour parler de génétique sans parler de code? J'ai pas la réponse, on verra ça le 13 septembre. Et puis il y aura, avant cette rentrée, je crois que c'est le 22 juillet. Que tu fais? Tu cherches un truc? Le 22 juillet, il y aura un nouveau format qui va s'appeler Ça coule de source, Tout à fait. une sorte de magazine, qui sera en direct également, avec une partie où on va regarder un peu ce qui se passe dans le monde de la zététique en ligne, partager les infos qui circulent, les dossiers en cours, voilà. On recevra un invité qui sera une source pour parler de son travail, et puis on fera une dernière partie sur plus réponses aux commentaires, voilà, plus chat éventuellement avec vous en direct. Et l'invité, ce sera Pascal Wagner-Hegger, donc qui est un des experts du complotisme, et on va parler avec lui des biais cognitifs, puisqu'il les a aussi étudiés. Est-ce que, en zététique et sur la tranche en biais, est-ce qu'on parle de ça bien, ou est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on est nul, et qu'est-ce que dit la littérature, est-ce qu'on est à jour, etc. Voilà, ça c'est pour l'avenir. Donc pour ça, pensez à activer la cloche, à vous abonner. N'hésitez pas à soutenir la tranche en biais et la steak via les liens. Mince, je crois que je les ai oubliés en description. Ah non, ils sont là. Sur Patreon, Utip et l'Oasso Tipeee pour rendre ça possible, parce qu'il faut qu'on paye le loyer hein, ici. Et je me retourne vers Christine Dugouin Clément. Je vous rappelle le titre de ces deux ouvrages. J'ai perdu mes fiches, alors du coup, il y a un livre sur l'Ukraine, et ça, je me rappelle parce que je l'ai. J'ai perdu ma fiche. Ah, c'est là. Ah bon, on n'est pas pro, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les livres sont Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques et L'Ukraine entre déchirement et recomposition. Ils sont vraiment très bien. Je ne les ai pas lus, mais comme on vous a accueillis, comme vous écoutez, je pense qu'on est rassuré sur la C'est de qualité. qualité. Je vous laisse un mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire et qu'on a oublié d'évoquer? Tant que ça. On aurait pu parler. Le sujet est tellement riche Ben, je qu'on sais aurait pu bien. parler de plein de choses
Et j'ai déjà été trop bavarde. Et déjà, je voulais m'excuser d'avoir un peu pétardé votre planning et votre organisation. Non mais parce qu'en fait je coupe trop les invités et donc je me retiens et, mais quand je les coupe pas assez et ben ça respecte pas le plan. Vous voyez les gens? Ça, non, puis je suis pas un très très bon un Mais très si très bon c'était très bien, c'est très bien, c'était mais je intéressant. Mais voilà, est-ce pense que qu'il faut être une idée super forte intéressant. avec lesquelles les gens doivent partir maintenant? Bah, c'est que on peut tous en plus être client en fait d'approche informationnelle parce que bah, vous allez faire une émission sur les biais, et ben super. On aurait pu parler d'utilisation de la dissonance cognitive. Et il y a des éléments où on va même être client et on va pouvoir en redemander, en fait. Et encore une fois, on peut tous l'être. Vilipender, stigmatiser, non, mais essayer vraiment d'apprendre à prendre du temps, quoi. À essayer de poser les choses et de regarder. C'est vraiment un des gros enjeux. Faut prendre notre temps et passer la vie. Mais le problème, c'est qu'on est entouré de gens qui ne veulent pas prendre leur temps. Oui, et c'est difficile. Mais il y a une vieille phrase qui, je sais plus de qui elle est, qui dit que quand on n'a pas le temps, c'est justement là qu'il faut le prendre. Alors, c'est la formule est jolie, et elle n'est pas forcément toujours très applicable, mais je pense qu'il faut la garder à l'esprit. Du coup, j'ai une formule à moi qui dit que le penseur critique, c'est celui qui ralentit le train de ses inférences. Ben voilà, c'est exactement ça. Et puis, je pense qu'il y a un point tout simple, hein. C'est très très bien d'avoir de l'imagination, mais c'est super cool de le garder pour sa vie privée. C'est bien aussi Ou ça. d'écrire de la fiction. Il y a Oui, des ou de la fiction. complotistes qui feraient des auteurs pas dégueulasses, qui fassent ça plutôt. Oui, mais en tout cas, pas pour une approche qui se veut sérieuse et scientifique, en fait. Parce qu'on peut avoir des effets boule de neige avec des impacts sur la vraie vie de vrais gens, en fait. Ça C'est vrai. qui est en. Tout ça a des conséquences. Merci beaucoup, Madame Dugoin-Clément. Merci infiniment. Bon retour auprès de vos étudiants Tout à et fait. de vos recherches. Et puis, bah, chers amis, il est temps d'aller manger vos pizzas parce que nous, c'est ce qu'on va faire. Tout à fait. Allez, bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Au revoir.